fois, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec you. All right, salut tout le monde, bienvenue dans ce bar de casque, épisode 227, baby! Ouais, ça a passé une grosse semaine, gang. Grosse semaine en tabarnak, Marco. Oui. Rien que fait ça, asti. Courir toute la calice de la semaine. T'as couru? T'es allé faire du jogging? Ben oui, j'ai allé faire du jogging. Oui? Non, je suis pas allé faire de jogging. OK. Mais j'ai coupé mes cheveux. C'est cheveux, asti. Puis depuis, t'as gagné un petit gros tournoi de poker dimanche en plus? Oui! Oui, je suis arrivé troisième sur 400 joueurs, j'ai fait 1200$. Tabarnak. C'est bon, c'est tabarnak. Non, ouais. C'était où? En ligne. Ouais. Colissement content. Nice. Tu allé m'acheter une petite boîte de cartes d'hockey avec ça. Non, pas une. J'en ai acheté 10. Ah ouais, t'as-tu pogné de coup de chanceux sur ta boîte de cartes d'hockey? Non. Non, c'était pas une très belle carte, pas une très bonne boîte, malheureusement. C'est pour ça que je m'en tiens au minimum pour ceux qui sont enthousiastes de ce sujet. C'est combien une carte? Genre, c'est quoi une boîte de cartes d'hockey? Ben, en fait, c'est que c'est des. Ils sortent des nouvelles séries à tous les ans. Ouais. Puis il y a des nouvelles recrues dedans. Puis okay. Les cartes recrues, c'est des cartes qui ont de la valeur. Ouais, ouais. Comme là, il y a Cole Caulfield qui est dans le fond pour le Canadien de Montréal. Fait okay. Que vu que c'est un gros marché Montréal, quand il y a une grosse recrue qui sort. Qui roule bien, ça prend de la valeur. Ah oh, oui, juste déjà, là, en partant, la carte, elle tourne autour de 250$. Calice, hein. Fait que. Mais je l'ai pas pogné. Ouais. Ah. Que. Puis c'est, j'imagine, c'est le genre de carte que si tu gardes, s'il y a une bonne progression, ça va finir par valoir plus que 1000$. Ah ouais, je vais attendre l'année prochaine parce qu'elle va avoir probablement rebaissé. Les cartes sont toujours super hot quand le produit sort parce que là, tout le monde veut avoir certaines cartes dans le lot, mais il y en a qui sont pas capables de la pogner, fait qu'ils vont payer des prix de fou. Il y a-tu des éditions, des numéros dessus qui étaient comme j'ai la 8 ou de même? Il y en a qui sont numérotés. Okay. Dans le fond, la carte recrue, il y a soit la carte de base... Qui vaut justement 250. Okay. Tu vois la carte qui est translucide, elle, c'est genre... C'est genre Pokémon. Ouais. C'est première édition, brillante. C'est le même principe, en fait. Un peu le même principe. T'as des éditions un peu plus spéciales. T'en as une qui est numérotée sur 100. Ça vaut comme 1000, 1002. T'en as des sur 10 aussi. Okay. Ça vaut encore plus cher. Il y a genre plein de degrés de genre d'édition. Là. Il y a plusieurs... Okay. Ouais. Mais tu sais, ces cartes-là, t'épingles jamais, ouais. Là. C'est genre... C'est du jeu, là, tu sais. Ouais, c'est du gambling, fait que c'est pour ça que je m'en tiens à genre une boîte une fois de temps en temps. J'en ai eu une que j'ai ouvert comme à Noël. Là, j'ai gagné ça au poker. Je me suis dit, OK, je vais aller acheter une boîte. Ça m'a coûté 170$ quand une même, boîte. Okay. Quand même... Mais habituellement, t'as ta valeur. J'ai retrouvé quand même ma valeur de la boîte dans les cartes que j'ai pognées. Ah, c'est légit. Mais j'ai pas pogné les cartes que je voulais, t'sais. C'est comme un gratteur, là. Tu gagnes 2$, t'es comme... C'est absolument un gratteur. C'est mon gratteur. Ouais. Okay. Ouais. C'est pour ça que j'aime mieux acheter la carte en particulier que je veux au bon moment, quand elle est plus basse, ça, puis je la laisser aller, puis voir. J'aime la vendre, ouais, parce que... Ben, je vais finir par la vendre, c'est sûr. Ouais, t'es un gars qui garde pas, peu importe. Okay. Non, pas vraiment. Si le prix est bon, je la refais. Okay. Ouais. T'as acheté finalement des cartes de Magic Johnson? Je sais que Joseph t'avais parlé de ça, qu'elle est sortie une série, là, elle sort là, dans pas long. Ouais, j'en ai acheté une belle, c'est sa rookie, dans le fond. Là. Ouais. Ouais, j'ai acheté ça. Y a-t-il l'édition, genre, contaminée? Des quoi? Les éditions contaminées! Il y a les éditions SIDA que tu peux acheter. ça, sont rares. Ils sont rares. Quand il va faire ses traitements à l'hôpital, hey, ils sont rares en crise. Une sur 10. Instant, vous m'auriez dit, genre, je sais comme, est-ce que c'est le bon Magic Johnson? Oui, c'est big time lui. Il y en a deux, là, que tu peux pogner, là, c'est vraiment rare. Il y a deux cartes comme ça, il y a un plaster plein de sang. Faut pas que tu y touches, par exemple. Ça reste d'un plastique. Scellé, là, c'est comme les cartes de hockey avec les genres de tu sais, les jours d'intérieur de Garn Goaler, on dirait qu'il y avait dans le coin une carte. Là. Je sais pas si tu te rappelles là-dessus. Ouais, avec des materials connu, dedans, non. Whatever. Ouais, un peu comme l'album des Stones avec les Zipper, version carte d'hockey. Ah, c'est vrai, tu peux l'avoir avec les Zipper. Ouais. Ça n'a pas marché, c'était un flop, là, supposément. Il n'y avait pas une affaire des Velvet Underground aussi, que genre, il y avait comme l'album avec la banane, là, et Velvet and Nico, là, genre que si tu enlevais comme le. Il y avait une espèce de plastique par-dessus, puis si tu l'enlevais, la banane elle était comme pelée puis rose en dessous. Ah, genre. Je connaissais pas sûrement, c'est leur genre. Ouais. Okay. Ouais. Mais je pense que c'est comme...
Andy Warhol, je pense. Mais je pense que ce print-là, c'est genre première édition, puis ils l'ont pas refait après probablement parce que c'était fucking trop cher à faire. Je suis pas certain de ce que je dis, par exemple, mais je sais que c'est pas toutes les vinyles que tu vas pogner que tu peux peel off. D'ailleurs, sur tous les albums, par exemple, je pense qu'il est marqué peel here. Quelque chose de même. Genre. Ouais, okay. C'est vrai. C'est vrai. Parce que même l'espèce de. Ouais, ouais. C'est même les t-shirts. T'as acheté un t-shirt avec la pochette de l'album, il est marqué. Il est marqué, ouais. Parce que c'était ça le concept du premier album. C'était comme un pénis, finalement, en dessous de la banane. Ah, c'est Andy Warhol. Oui, oui, c'est ça qu'on veut dire par banane, Carlis. C'était comme Rick Rowley à l'époque, là. Qui? Comme Rick Rowley. Rapproche-toi juste ton micro, s'il vous plaît. Quand tu mets genre comme une vidéo de Rick Rowley ou comme un dick butt, genre. C'est comme un avant-garde des memes. Non, je connais pas. Tu connais pas Dick Butt? Non. Mais dans le fond, c'est juste dans le fond, tu mets une image, puis de manière, tu vois comme une espèce c'est une espèce de dessin bizarre, genre, où est-ce que c'est comme un dessin bizarre avec un cul, puis un pénis qui sort de ça, genre. C'est comme okay. Tu t'es fait avoir, tu l'as vu, genre. J'adore l'internet, c'est-tu que j'aime ça? C'est le vieux meme, en plus. Calisse que j'aime ça, une graine qui sort d'un cul, qui dit salut, c'est malade. Ah ouais. Je veux que c'est ça ma photo profil. Juste une graine qui sort d'un trou de cul, c'est magique. Ah ouais. C'est malade. Ouais, c'est créatif. On dirait le lion au début des films, mais là, c'est genre juste une graine qui pisse. Ça serait malade, calisse. Ah ouais. C'est quoi les Patreons cette semaine, mon Phil? Oh. Oui, ben les Patreons cette semaine, comme à toutes les semaines, ben on les nomme. Hein? Merci à tout le monde qui donne de l'argent. Pour eux, c'est vraiment sweet. C'est vraiment blood, Chris. Merci. Fait que on va y aller. On a Nicolas Pépin, dernier ajout. Merci beaucoup, Nicolas. On a Marie-Pierre Simard, qui est en fait GF dénommé. Il est juste prêt à carte de crédit de sa blonde. Stéphane Bisson-Roy, Nesta Hull, Gabriel Lancio. On a Faf Ticasse. Nicolas Momigny, Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Pierre-Luc Paquet, Nathaniel Soulard-Lesage. Merci tout le monde qui donne de l'argent. Yes, merci à tout le monde. Merci, ben oui, merci beaucoup. Ça nous aide à payer tout. Hein? Ouais, ça paye la caméra. Ben oui. Si vous voulez faire partie de la gang, faire nommer votre nom, puis nous encourager par le fait même, allez au www.patreon.com/OBLC. Je nomme toujours les 3 W. Moi, j'en reviens pas de ça. Asti, une barre de recherche. Puis donnez de liker sur Facebook, asti, and shit, si vous aimez ça. Si vous aimez pas ça, envoyez-nous chier. Merci, vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. On sait que nous, cette semaine, un OG du podcast, il a fait le premier épisode. Le premier épisode. Ouais. Fait avec Daniel, puis un autre après. Je t'entends. Parle la plus fort proche du micro. Ouais, écoute, gars, je viens pas si souvent. C'est une pratique. Ouais, ça va venir à la longue. Là, ouais, mais aussi, tourne-toi pas de même pour parler dans le micro. Si tu tournes, faut que tu tournes comme ça. Ouais. Faut que tu parles tout le temps vis-à-vis le micro. On aurait dû parler de ça avant qu'on les jeune de réaliser. Moi, je croyais que c'était par rapport à l'angle avec la caméra pour être sûr qu'on voit tout le temps la face. Oh, non, c'est pas le son. Ben ouais, il y a tout le monde qui s'élève. Monsieur Bertrand Murray, c'est le mais. Il donne des leçons, puis t'es le vétéran ici, je comprends pas. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il est venu que 3 fois en 5 ans. Ah, c'est des bonnes fois. Ben oui. Ah ouais. T'es content avec nous cette semaine, Monsieur David Wade. Hola. Yeah, ouais. Let's go. Yes. Ben Tremendum. Oh yeah. T'es venu, là, quoi, l'été? Ouais, genre une couple de mois, là. Ouais. C'était cool. 4, 5, 8. Ouais, c'était cool. Le monde t'en parle-tu souvent, sûrement? Ben. Sûrement que les gens t'arrêtent dans la rue. Ben oui. Je suis rendu quelqu'un. Non, c'est clair, des shows, c'est comme Chris, ces gars qui est passé en ce bas. On les voit, les chiffres, nous autres. Là, ben oui. C'est game changer en tabarnak. Yeah. Ton épisode, celui avec le plus de commentaires. Nice. Ouais. C'était tout, ben c'était comme des bots là, qui faisaient des pubs, mais il y en avait vraiment beaucoup cette journée-là. Là. Cool. Quand même, les bots m'aiment bien. Bon, ouais, c'était comme des abonnements de gym, les affaires. Là, ben, c'était vraiment cool. C'est parce que je cote ou... je pense qu'ils se disaient, câlisse, le monde qui écoute ça, là, ça s'entraîne tout. Ah oui, ils ont ciblé avec le type de physique que je disais. Ben oui. Le profil de l'emploi. Ah ouais, je donne pas des kicks, là. Ben non. Le cornac. Je donne pas des kicks. Ah ouais. Ouais. T'as-tu passé une belle journée, Marco? C'est rare, je te le demande. Je te le demande jamais comment tu vas, toi. Tu nous demandes comment on va. Selfless, comme ça. On dirait la fin de American Beauty.
La fille de American Beauty. Je crois que je fais bien. Puis après ça, il se fait tirer. Puis finalement, il devient un agresseur sexuel. American Beauty, là, c'était pas. Ouais, c'était pas avec Kevin Spacey. Ouais. Ouais. Kevin Spacey. Mais il arrête pas avant de faire ça. Mais quoi? Ça, mais il devient pas un agresseur. Il arrête, non? Non, 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 il est pas agresseur. Ceci dans la vraie vie. C'est dans la vraie vie, genre. Oh, mais, okay. Mais, oh, mais dans oh, le film aussi. Pas compris le film. Mais dans le film aussi, il y a ouais, tout y a weird. Petit, là, il y a comme genre la. Il y a la ben, l'ami de sa fille. Ben, c'est ça, c'est pas comme il trippe sur l'ami de sa fille. Là. Ouais, mais c'est elle qui cruise, c'est elle qui joue genre la game de charme avec tous les gars, puis tout, puis elle joue comme mais... la slot, mais qui finalement, elle ne check personne. Ben ouais, elle liche le bat un moment donné. Elle non, mais il arrive pour coucher avec, et genre legit tout le monde devant lui, puis elle dit « Oh, allez-y, mollo, c'est ma première fois », puis il est comme « Turn off ». Mais voyons, tabarnak, qu'est-ce que je fais là? Le monsieur est comme 45, la fille a 16. Ah, oh, ouais. Tabarnak. Il y a de quoi de wrong, hein, Chris? Ouais, fucking. Mais, oh, wow. Non, c'était bien. Mais c'était un bon film, moi. Ouais, c'était cool. C'était un bon film. Mais j'avais oublié que Kevin, il était dans le Me Too, dans cette vague-là. Là, ouais, 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 il avait agressé. Time, il a essayé de faire le move de Caitlyn Jenner, en plus, de quand elle a buté quelqu'un en char. Là, genre, « Oh, vous m'avez eu, je suis transgenre. » Ben, oh, oui. Lui, il a essayé, on dirait qu'il a essayé de Caitlyn Jenner de way out of it. Là, il a juste fait comme... « Je suis gay. » Il a dit, « Oh, vous m'avez eu, je suis gay. » Parce qu'il avait, il avait violé genre un gars de 14 ans, genre, puis lui, il avait comme une vingtaine d'années dans un party. Ouais. Genre. Ouais. C'est ça, l'homosexualité, c'est ça qu'on comprend. Mais le boys will be boys. Hey, et pour vrai, cette carte-là, là, ça n'a pas passé. Mais non, fait. Non. Ah, mais au moins, faudrait que tu sois pas en crise, faire comme « Ah, oh, il est gay, c'est ça la nouvelle. » Ben au moins, il s'est repris le nol ensuite avec son vidéo. Ah, mais le gars, pareil, genre, il a été... Moi, c'est un esti de marre, là, je veux pas... Mais il a été bright de l'essayer pareil parce que ça aurait pu marcher. Le nombre de fois, Chris, qu'il y a des célébrités qui s'en tirent. Chris, il y a genre John Jones, esti, qui avait ramassé une madame, esti, en char pendant qu'il était sous. 2-3 mois plus tard, il défendait sa ceinture dans l'octogone. En même temps, c'est une autre époque, les choses changent. Tu sais, comme avant, t'avais R. Kelly qui avait carrément un harem de jeunes femmes à la maison. Ça a duré longtemps, ça. Longtemps. Puis c'est pas un harem propre, là. C'est un harem où tu fais des films de cul avec des filles de 14 ans. Oh, il pisse au visage. Là. Mais c'est un homme marié, là. Tu comprends pas. Il était marié, ça. Mais oui, ouais, marié, hey, c'est des fantaisies de riches. Je sais pas, moi, tu comprends j'ai juste pas vu c'est quoi de l'argent. Tu comprends pas c'est quoi être riche. Mais non, là. Tout le monde a ça. Si, genre, plein de pièces avec des filles enfermées de 16 ans. Ben ouais. Tu penses que Mike Tyson est rien qu'un tigre. Calice, t'as pas. Mais non. Les journalistes ont pas ouvert la porte d'à côté en esti. Ben non. Ouais. Il y avait des trucs compromettants. Puis c'était pas juste de la coke. Mike Tyson avait un harem de bébé. Que des. Hey, mais c'est drôle, tu parlais de John Jones. T'as-tu vu ce qui est arrivé à Cain Velasquez pour le monde qui écoute? C'est l'ancien champion. Heavyweight du UFC, genre, c'était comme un gros nom du UFC, mettons, en 2012-2015, mettons. Ouais. Genre. Puis le gars, il y a quelqu'un de sa famille qui s'est... Un enfant de sa famille qui a eu des agressions sexuelles, genre, il s'est fait... Il a agressé d'autres jeunes. Ouais, il est allé agresser d'autres plus jeunes. Là, ça fait qu'il se tombe complet, tu comprends pas quand est-ce que Cain Velasquez se range là-dedans. Non, genre, son... je sais pas si c'était son neveu ou quoi, là, quelqu'un de sa famille, genre, un enfant de comme, mettons, un peu... Je pense que c'était comme 8 ans, 8, 10 ans, mettons, quand même. Ouais, je dis chez fictif, là, mais c'est un enfant. Puis, genre, il s'est fait agresser par quelqu'un. Puis, là, finalement, cette personne-là était en cours. Il a été déclaré non coupable, puis tout. Fait que Cain Velasquez a fait, genre, not on my watch. Il l'a attendu, il l'a poursuivi en char, puis il tirait son char avec son gun. Ouais. Il a pogné le gars, il a pogné son ami qui était avec. C'était sa belle-mère qui était. C'était un lui. Homme qui était avec, mais c'était un homme. Il avait sa belle-mère, puis. Genre, comme sa belle-mère et sa belle-sœur, là, genre dans le char. Là. Je sais que sa belle-mère était là, puis que mais je pense pas que tout le monde a été atteint par un projectile. Non, mais ça, moi, j'avais vu qu'il y avait l'oncle du gars qui s'est fait atteindre, genre, puis lui qui s'est fait atteindre. L'ongle? L'oncle. J'ai compris. Non, il a été atteint à l'ongle. Je suis comme, calisse. C'est sûr, mortel. Heureusement, il a été seulement atteint à l'ongle. Ouais, fait que là, Cain Velasquez va probablement faire 20 ans de prison. Ouais, il fait face à 20 ans de prison. Il est en cours. Là. Il y a eu même des photos de lui avec toutes les menottes puis tout le truc. Le gars est poursuivi en champ et tiré avec son NB. En même temps. Il venait d'écouter le film Le Punisher. Là. C'est ça qui est arrivé. Il dit c'est moi ça. Je voulais acheter le jeu aujourd'hui. C'est drôle que tu dises ça. Anyway. Le jeu là, qui est fucking nice. Il était avec au Xbox ou là, ça PlayStation 2 aussi. PlayStation 2 à l'époque, moi j'avais joué. Ah, ben, moi, j'ai
juste le PlayStation 2, anyway, je vais l'acheter clairement là. Là. Ah, c'est un bon jeu. Ouais, Chris de bon jeu. Mais pourquoi on a. Désolé, j'ai comme bifurqué vers les jeux vidéo en parlant de Punisher. Ouais, dans le fond, ouais, je comprends pas pourquoi Cain Velasquez. Il a tiré le gars. T'étais l'ancien champion du monde de UFC. T'aurais pu, genre, juste cogner à la porte, puis le gars t'aurait sucé, là. Ah oh, ouais. Tu peux, il peut faire. Le gars fait de la lutte amateur, genre, niveau presque olympique. Ouais. Il aurait pu, genre, littéralement, genre, tenir le gars à terre, puis l'enculer agressivement devant sa famille il voulait. Tu sais, le gars, genre, c'est un. Le gars, je pense qu'il est dans les quartiers plus lourds du Mexique, puis genre, il a Brown Pride tatoué sur le chest. Ça se peut qu'il était affilié à des gangs aussi avant d'être champion, là. Ouais, parce que si ton réflexe, c'est genre, je vais aller le gunner, comme ça, je vais pouvoir m'en sortir plus que dans un Christian volé. J'imagine qu'il pensait pas qu'il survivrait à ça. Ça dépend juste comment il tenait son gun. Mais moi, si j'avais amisé. C'était comme ça qu'il était. Ah ouais. Mais j'imagine qu'il devait penser si je le tue, je vais m'en sortir, genre. Je sais pas, j'ai aucune idée à quoi il pensait, là, mais j'imagine si ton premier instinct c'est de faire ça, puis tu sais, le gars il avait déjà son gun. J'ai comme l'impression que c'est pas la première fois qu'il sortait son gun en le poignant quelqu'un. T'es mieux d'être sûr en calice. Tu sais, le gars, c'est quoi la description du gars qui t'a tiré dessus? Ben, c'est Cain Velasquez. Rendu là, t'engages quelqu'un. Là, t'es ses partenaires gang. Tu donnes la job à un plus rookie. Mais je pense pas. Je pense pas qu'il faisait partie d'un gang. Je pense qu'il vient des quartiers plus chauds, mettons, du Mexique. Pis qu'il y avait des amis. Ouais, ça se réglait comme ça. C'est... Ben, j'ai l'impression pleinement. Je suis pas un peu trop. Encore là, c'est le principe d'un fighter qui apporte un gun. C'est pas comme si l'autre c'était un autre fighter qui avait une chance contre lui. Là. Ouais. Combien de chances? C'est quoi les chances que t'as contre Brock Lesnar avec un shotgun? Calisse, comment tu vas être plus out, comment tu vas être plus underdog que ça dans un fight? Honnêtement, vous commencez à une distance de, mettons, 1 mètre, là, avec Brock Lesnar, puis tu commences avec le shotgun pointé vers le bas, puis tu fais gauche, j'ai l'impression que Brock va gagner pareil. Ouais. À partir de 10 mètres, il y a le temps de lever son shotgun puis de le tirer, là, mais mettons, tu mets à 2 mètres, là, je suis pas certain que Brock va avoir le temps d'exploser avant. Je suis pas sûr qu'il va, genre, t'avoir arraché à la tête, genre, avant, là. Ouais, c'est clair. Faudrait avoir un jeu vidéo qui simule exactement ça. Mais il y avait une émission avant qui faisait des affaires du genre comme science du sport. Ou est-ce qu'il calculait comme des genres de trucs de même. Comme maintenant, il y avait une émission que ça, je m'avais vraiment impressionné. C'est un gars qui pratiquait le ninjutsu. Puis dans le ninjutsu, dans le fond, il y a une technique où est-ce que tu mets ton poing comme ça contre le chest de quelqu'un. Puis là, tu fais juste faire un poing comme ça. Ouais. Le gars l'a pratiqué comme toute sa vie. Okay. Puis c'est censé être un coup de poing assez puissant pour tuer quelqu'un. Puis la science du sport, évidemment, ils l'ont essayé. Puis ils ont calculé que la puissance de son coup était tellement puissant qu'il aurait pu tuer quelqu'un. Mais voyons, il n'y a pas l'explosion. Mais ça, c'est de la bullshit, ça. Tu peux pas tuer quelqu'un. C'est comme, je peux tuer quelqu'un de même. Ouais, mais comment tu vas te faire pour, je mettons... Ça, c'est de la bullshit de Bruce Lee. Ouais, c'est pas de No Country for Old Men, call it. Tout est slow, tout est arty. Et oui, pendant un fight, bouge pas, laisse-moi mettre. Je tiens à préciser que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, que peut-être c'était vraiment un coup de poing, mais je sais que c'était vraiment comme un coup de poing frappé au niveau du cœur et du chest. Il était capable de tuer quelqu'un. C'est peut-être pas ça exactement. Ça, mais c'est vraiment comme il donnait un coup de poing peu bien distance, placé. Hein. Puis, vraiment comme ouais, mais faut que la personne soit un peu faible cardiaquement, là. Genre. Ben, écoute, ils ont calculé. Spot le souffle au cœur au minimum. Honnêtement, c'est parce qu'il est tellement gros qu'il est comme genre, on est rendu en deux battements de cœur. Ben, ça dépend à qui te le donne, sous le temps ça. Chris, même un coup de batte de baseball dans le chest, tu vas pas mourir, là. Ben, ce qui fait les coups dans le sternum, ça peut être. Ouais, ça peut sûrement casser de quoi, là. Mais genre. En tout cas, ça doit pouvoir arriver, mais j'imagine que ça doit. Pas contre un gars entraîné, là, genre, j'imagine. Mais... Moi, je pense qu'il manquait d'action ce jour-là. Mais sûrement qu'il calculait en fonction d'une personne moyenne. Là. Ouais. C'est sûr que si quand tu commences à faire toutes tes données en fonction du gars qui est super entraîné, du gars qui est sur le bord de crever déjà. Vous, le 5%, on fait une moyenne, c'est un coup mortel pour 100%. Pour... C'est un coup mortel pour 100% des octogénaires. Et en plus, ils le font avec un vieux, genre. Juste le scenery, le shit pas vrai, là, juste la cinématique, c'est juste comme eux. Juste des messieurs de 80. On a fait un test sur 5 cobayes différents. Les 5 sont morts. C'est ça. Les 5 avaient 80. Les 5 sont morts.
plusieurs mois plus tard d'insuffisance cardiaque. Il avait 85 ans pour la plupart, des fois 89 même. Ça va peut-être pas rapport non plus. Remarque. Peut-être pas, on sait pas. C'est un coup à long terme. Faut que t'attendes que la personne ait 89. Ouais. Puis là, elle meurt. Avez-vous écouté The Deadliest Warrior? Non. Ah, l'affaire avec les, l'affaire avec les katanas. C'était après en même temps qu'il passait justement ce que tu. Des sciences de sport, là? Ouais, c'était genre. C'était sur Spike, je pense. C'est l'affaire avec les katanas. Ben ouais, c'était une affaire. Il pognait deux armées différentes qui avaient pas été genre contre. Mettons, les. Je sais pas, là, genre les Spartans contre les nazis, ça mettons. C'est quoi, c'est qu'on genre, il. Les Spartans se faisaient éclater par les tanks nazis. C'était pas. Mais non, il était blanc. Mais c'était pas ça, là, mettons, là. Mais genre, tu sais, c'était comme, mettons les nazis contre les Viet Cong ou genre les affaires de même. Tu sais, c'était quand même censé un peu, mais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, il était là, puis il comparait toutes les armes, puis il y avait les armes, puis il y avait des genres, tu sais, les. Il appelait ça des bobs, là, tu sais, des genres de c'est un autre corps d'homme, mettons, en genre de. Ouais, ouais. De caoutchouc que tu peux frapper dedans, mettons. Là, ouais. Eux autres, ils avaient tout mis les organes en dessous, puis c'était vraiment fait avec même épaisseur que de la peau, avec les membranes, puis tout, pour voir, mettons, ce qui était percé, genre, puis essayait tout plein d'affaires, genre. Puis il comparait, mettons, les armes d'une tribu ou d'un groupe contre l'autre, genre, puis il regardait ce qui était le plus mortel, puis. C'est quand même une bonne idée. C'était hot pour eux, puis c'était genre vraiment une manière scientifique de comparer ça, là, mais c'était cool. Mais mettais-tu les armures aussi dans certains cas? Genre? Dans certains cas, ouais. Dans, mettons, les Spartans, eux autres, leur bouclier était quand même une grosse arme. Fait que là, ils comparaient ça. Regardaient, mettons, c'était résistant à quoi, mettons. Puis je m'en rappelle pas c'était quoi exactement. Y avait-tu genre un simulateur d'ordinateur que genre. Ouais, enfin, c'est comme les petits jeux. Moi, ça me passe souvent dans mon feed, là, des genres de. Un jeu où est-ce que tu peux avoir genre 3 dinosaures, puis tes mecs contre genre 100 000 poulets. Hein? Puis tu regardes lequel gagne, genre. Oh yeah. C'est comme un shit de simulation absurde. Je trouve ça malade. 100 000 poulets. Ouais, 100 000 poulets contre 3 dinosaures. Puis tu checks c'est qui gagne. Hey, man, 100 000 poulets contre 3 humains, est-ce qu'ils perdent, je pense. Ouais. Ben, Non, t'as déjà joué à Zelda, man. 100 000, tu meurs, je pense. 100 000, c'est. Tu don't fuck. Ok, combien de poulets vous pensez que vous êtes capable de tuer? Moi, avant de me faire tuer, genre. Ouais. Attends, regarde, on s'entend. Les poulets sont plus en train de courir de même. Ils veulent te tuer. Ouais, ils sont tous. Honnêtement, pour de vrai, genre, comme. Si, mettons. Juste comme une vingtaine, trentaine de poulets, là. Honnêtement, là, c'est. S'ils attaquent en vague, genre, avec leurs griffes, là. Pas long. Ils ont des bonnes griffes. Ouais, il faut que t'en tues un. C'est vrai, j'avoue que les poulets, c'est les coqs, dans le fond, qui volent les airs et font des genres de push-kick. J'ai dit des poulets aussi. J'ai dit des poulets, mais c'est pas des. Coq, là, je sais pas. Ouais, les coqs, ça serait plus. Parce que les poulets, c'est un peu plus stupide, ça attaque pas tant que ça. Ça vole pas, des gens partant. C'est tibia, genre. Ben, je sais pas. Le coq va pas plus voler, mais il va être. Ben, il va être capable de monter. Ouais, mais des, on voulait dire des poules. Mais parce les poulets, c'est les. Non, mais est-ce que t'as déjà vu des combats de coqs? C'est comme dire un chien, c'est. C'est vrai, mais entre un coq puis une poule, en général, je sais pas. Les coqs sont plus agressifs, là, mais. Il y a les poules, je pense que oui, mais. Plus territorial. J'ai jamais vu de combat de poules. Des combats de coq, oui, mais pas de poules. Ah! Ouais, okay. C'est genre, ça pond des œufs, c'est tout. Les poules sont faites pour nous faire à manger puis les manger. C'est que c'est pas beau, comme. Oh, wow. Les coqs. Les coqs. Avez-vous vu des bons films dernièrement? Oui, j'ai vu Life of Walter Mitty. Ouais, c'est bon ça. Ah, c'était bon, un calice pour eux. Ouais, c'était fucking bon. J'avais entendu parler pendant longtemps, je l'avais jamais vu, mais pour vrai, je vous le conseille, c'est fucking bon. Très bon film. C'est quoi l'histoire? C'est avec Ben Stiller. Ouais, justement, j'ai vu le preview, c'est ça que ça me disait de quoi. Mais okay. C'est un gars qui travaille dans un musée, puis la nuit, toute en vie. Comme, il en a fait deux comme ça. Mais film, c'est Night at the Museum, ça. Ouais. C'est vraiment malade. Même, tu réécoutes, genre, There's Something About Mary, puis c'est comme, pourquoi il travaille dans un musée? Est-ce que tout, c'est fucking. Pourquoi il fait un défilé de mode dans un musée? Je comprends pas. Il a joué aussi dans un genre de spin-off de Paul Blart, là, Flic du Mai. Mais c'est dans une bibliothèque. Je sais pas si vous avez vu ça. Là. Non. C'est Ball Plart. Oh, Ball Plart. Flic de la librairie. Ah ouais. Fucking bon. Pour la vraie. Fucking c'est bon. Ça, pour la vraie. Alors, ça aurait été ça. Ça aurait été malade, pareil. Là. C'est juste que, ouais, c'est comme Ball Plart que tu vas jouer, mais dans une bibliothèque. Puis t'es pas gros. Ah. C'est ça un peu le synopsis.
un concept genre qui est quasiment possible, tu sais, surtout qu'il y a un has-been en crise, Ben Stiller. Moi, c'est comment il s'appelle? C'est Kevin Spacey. On a rien contre, c'est Kevin Spacey qui faisait Paul Blart sur son Segway. Son vrai nom, c'est Kevin Blart. Kevin Blart. C'est peut-être basé sur lui. On le sait pas. Man. On le sait pas. Hey, moi, c'est une boîte, il y a un qui se met un collant. Hello Kitty, là. Oh. Ah oui, ça, il se met, genre, il se fait, ok, le gag était cœur. Un petit bobo. Il se fait, ouais. Ah oui, laisse-le finir, hey, laisse-le finir. Il se fait un bobo, il set, là, sur le coude, mettons. Je dis le coude, peut être le genou. Puis, pogne un plaster, il se le met. Hello Kitty, hello Kitty. Wow. C'est un crise de gag. C'est drôle parce que le gars. Mais non, mais hey, c'est un homme! C'est un homme! C'est un homme! Non, mais hey, pas ça! Honnêtement, ça aurait pu être comme genre les Flintstones, un Scooby-Doo. Non, il a été avec Hello Kitty. Ouais, il est allé. Lui, il avait buvé le One Flew. Il savait le tabarnak. Non, il savait. Ça brise les genres, puis tout. C'est vraiment révolutionnaire. Ça, il y a une scène où ce qui bat un Asiatique, lui, puis son chum, sont avec le Segway, là. Il y en a un qui l'encule. Calice. Ouais, c'est weird. Ça, c'est Paul Blart. Paul Blart. Ouais. Paul Blart. Dans le temps, Paul Blart, c'est vraiment genre la fin des jokes de Segway. Genre, ouais. C'était une mode de 2-3 ans, les Segway, là. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était très risible. Puis il y avait. Ouais. Dans les films, des fois, t'avais genre comme. Mettons, le gars, c'est le. Mettons, dans un film comique, genre, le méchant se promène en Segway. Il sait pas que comment ça marche. Il est genre semi-distingué, mais il est pas tant, tu sais. Puis il est sur un esti de Segway. C'est vrai qu'il y avait une époque de... mais, ouais, non, mais c'était tout le temps le gars qui est tout le temps comme il embarque sur le Segway. Il avance, il recule. Il va essayer de faire une poursuite, il tourne en rond sur lui-même, puis je ne comprends pas. Il n'y avait pas de joke de seul gars. Il n'y avait pas de joke de ça. Ça fait un peu Austin Power. Oui, non, je pense. Exact. Ouais. Oui, il y en avait une, Austin Power. Ouais, c'est clair, Dr. Evil. Dans le 3, ouais, il est avec son mini-moi, puis les deux, ils ne sont pas capables de contrôler le Segway. Genre. Ouais, puis mini-moi a un mini-Segway. Ouais. Qui est... mais ça honnêtement, fait rire vrai, pareil. C'est malade. Non, mais mini-moi sauve toutes les situations. C'est comme genre... ça, mais en mini, genre. Oh, ouais. C'est adorable. Ouais, c'est efficace. C'est comme bébé Yoda. Genre, ouais. Tout le monde aime ça. Ça a l'air d'un vieux. Ça a l'air d'un petit. C'est un petit bonhomme qui a l'air de fumer des smokes. Il fait des fuck you à du monde, genre. Il n'y avait pas une femme extrêmement belle, oui. Cet acteur-là. Ben oui, Chris. Pourquoi? Il me semble que. Ouais. Tu penses que un top modèle, genre. Comment il pense que sa femme, elle s'amusait à le botter, genre. À bouquer le bébé. Moi, d'après moi, je sais pas, penses-tu qu'il y avait le kink de genre comme prends-moi comme un bébé? Oui. Pis... Oh oui, elle le prenant comme un bébé. Hey, faut-tu être. Pour être. Je sais pas, peut-être qu'il y a une crise de belle personnalité, mais tu peux pas avoir une personnalité assez belle pour oublier que tu mesures genre 3 pouces. Ouais, mais là. Okay. Il peut-être se fait assez aussi, beau par contre. Ouais, colissement, là. Pis, mais c'est peut-être une gold digger. Mais c'est ça. Mais non, mais honnêtement, pour le vrai, rendu là, une gold digger. Hey, faut que tu sois. Ben, pour vrai, les chances sont là en est. Non, mais, guys, on le sait pas. Peut-être qu'il était crissement bien bambré. Genre, tu sais, peut-être que lui, comme mais genre. Là, mais ça change rien. Peut-être qu'il doublait en grandeur après. Il est mort. Oui, mais Chris, même. C'est sûr, tu mets ma graine. Bien bambré. Hey, il aura beau avoir le pinch de. Un pinch qui descend jusqu'au pied, Calis. Il mesure ça d'eau. C'est comme si sucer un Ewok, mais dégueulasse. Ouais, pour vrai, il arrivait legit un peu en haut du genou de Mike Myers. Mike Myers, je pense, plus grand que lui. Là. Ben, c'était le plus petit acteur de l'histoire. Il y avait le record Guinness du plus petit acteur. Genre, il était plus petit que les nains dans Fort Boyard, c'est ça que tu me dis? Ah, oh, ouais, non. Il était plus petit que les Ewoks, man. Ouais. Les nains dans Fort Boyard, c'est des géants pour lui. Là. Il regarde son tabarnak, esti. Mais ouais, je pense qu'il sortait avec une femme de grandeur normale. Ouais, mais non, mais j'avais vu. Il était très, très, très. Je confirme, sexuel. J'ai vu les images. Attends, on va regarder. Très joli. C'est quoi son nom déjà? C'est. Mini-moi. Ben oui, nécessairement, je vais le dire comme ça. En français. Attends, Mini-mi. Mini-mi, ouais. C'est. Tu me l'as trouvé. Fuck you! C'est quoi? Tabarnak! Mais en même temps, pour de vrai, comme tu sais, genre, les gars. C'est quoi le nom de la fille? Trouve le nom de la fille. Geneviève Gala, G-A-L-L-E-N. Ah, Chris, ça vient du Nouveau-Brunswick, c'est pour ça. T'es que ça? Ben ouais, ça vient du Nouveau-Brunswick. Faut qu'elle se mette à genoux puis qu'elle se penche. Faut qu'elle s'assoie sur ses talons. Non. Rendez-le, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle se penche la tête en plus. Mais Marco, rendez-le, qu'est-ce qu'elle fait? C'est A-N-T. G-A-L-L-E-N. Galen. Sa tête est plus petite. Que un de ses seins. Eh ouais, pour elle, man, il peut rentrer dans son vagin. Quoi? Tu viens, tu man?
mini-moi, là. Attends, il y a un petit côté. Ah, il mesurait deux. Mais non, mais. Regarde, moi, je trouve pas qu'elle a une face incroyable, mais non, pour non, vrai, non, genre, c'est mini-moi, là. Il mesure 2 pieds 8. Il y a un bandana. En plus, hey, ça, le chien. Oui, il y a le chapeau de Samuel Jackson, style dans genre ben des films. Il est habillé comme le gars qui a la speed pass pour enculer n'importe quelle fille. Oh, et genre, puis probablement qu'il l'avait à un certain point. Ah ouais, c'est sûr, man. Pour aller sortir une palette de cash, puis comme gars, je te mets dans le cul. Hey, à limite, là, as a joke. Une fille, tu sais, elle est dans le bar, mais comme Chris, ben, elle est sucée mini-moi dans les toilettes. Le monde va. C'est quand même mais nice, honnêtement, non, mais je pour. Le ferais, moi non, aussi, mais pour. Ben de... oui, non, 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 si non, je non. le croise, je le suce de force. Ce sera pas tort. Parce qu'il mesure 2 pieds 8. Non, mais il est mort. Il est mort. Son pénis. Mais probablement décomposé. Que c'est un cri. Déjà, comme, les filles sont comme genre, hey, pour une fois, que c'est pas moi qui se fais soulever de même. C'est eux qui le prenaient comme ça, qui le soulevaient. Comme tu le sais de même. Ouais, mais juste, excuse-moi, n'importe quelle position doit être impossible à faire pour le missionnaire. Même le doggy style, Calis. Genre, à part si. Tu peux rien ça faire. Ça ou pas, là. Chien, hey, ça y prend un petit banc pour faire du doggy star. Ben c'est ouais, pas une joke. Ça là. Se fait. C'est littéralement, ça y prend un banc. Elle hey, s'embarque dessus, là. Elle ride, Calis. Elle doit avoir l'impression, tabarnak, de fourrer un chat. C'est tellement mais petit, même, tabarnak. Elle doit rien sentir. Elle comme, ouais, Calis. Non, mais elle ce gars-là. Sa tête est là. Ce gars-là est tellement petit qu'il pourrait inventer une machine, genre, qui est capable de le prendre, comme il peut le contrôler, faire avancer, reculer, genre. Ça fait du sens, ça. Ah, oh, mais. Tu peux même contrôler la vitesse. Oh oui, comme les genres de machines pour voler sur l'eau, là, qui sont genre plugés avec une hose dans oui, l'eau. Là, oui, oui, genre, pff, oui. Oh, genre ouais. de. Comme un genre de jetpack à eau, là. Oui, c'est vrai. Il y a un jetpack aussi dans Austin Power, mais ça, non? Ça se peut, ouais. Je m'imagine ça, là. Mais... Sûrement qu'il y en a un. Ah, ouais. Mais. Ah, fuck. Attends une minute, je l'ai trouvé, je pense. Le jetpack. Ouais, ça, pour le vrai, j'ai toujours voulu faire ça. Ah, ouais, ça a l'air insane. Ça a l'air cool, faire ça. C'est cher, je pense. C'est très. Mais c'est la raison pourquoi je n'ai jamais fait, aussi. Je pense que c'est comme tu payes quelque chose comme 1000$ pour une heure. Mais tu sais, c'est pas être en groupe. Ouais, c'est ça. Mais t'es rendu là. Il y a bien des choses que chaque 1000$. C'est 2 pieds 8. Je pense que t'as l'air. C'est mini moi. J'ai pas les données, là, mais j'ai vu des vidéos. Là, t'as l'air d'être à peu près 5-6 mètres dans les heures, mettons. Genre, c'est quand même. Ça doit être un nice. Mais tu pognes le maximum. Là, j'imagine, mettons, genre, si tu lâches l'eau, tu descends ouais, sur le monde. Il faut qu'il y ait un espèce de contact avec. Ouais. Mais j'imagine, tu dois en revenir vite. Ah, ben, attends une minute. T'as quand même des bonnes hauteurs. Là, tu peux faire une tonne de trucs. Tu regardes, là, il est genre au moins deux, trois fois. Il doit être 5 mètres dans les airs. 5 mètres, facilement. Ouais, facilement. Oh shit! Pour les pieds, là. Il y a une affaire pour les pieds. Ah, ça doit être malade. Tu sais, c'est comme genre le skate des jetpack à eau, genre. Genre, c'est comme le. En même temps, c'est genre le petit hoverboard. C'est flat, là, c'est pas si pire. Là. Non. C'est un hoverboard. C'est pas tant le fun, mais ça vaut le coup. Mais imagine ben oui. que genre t'arrives plus, tu cales, tu sais, ça va dans le sens ben non, de l'eau, puis là t'es comme. Pas mal sûr ouais. que le jet. Des prix de l'autre sens. C'est sûr qu'il doit avoir un truc pour le fermer. Sûrement. Sinon, à la limite, t'es. Ah ouais, j'avoue que c'est. Tu cherches un hoverboard? Non. Faudrait non. que tu commences. Je vais marquer. Dans le podcast, tous les débuts de podcast, c'est en Segway, puis tu t'assis. Oh, oui. Je fais une allée, puis tes invités rentrent un par un en Segway. Oh, oui, mais je vais être cool. Moi, je vais avoir celui-là nice, comme Philimet. Ouais. Celui-là, pas de branche, je suis le top. Là, juste, hey, ouais, parce que t'as de l'équilibre. Ouais, ou au pire, je vais me pogner des souliers avec des roulettes au talon. Hey, ça, pour le vrai, là, c'est l'affaire que j'ai toujours voulu essayer. Ouais. Au secondaire, tout le monde a connu un ami ou deux qui en avait un. Puis là, il faisait son frein dans comme les corridors, comme il allait à son cours, puis oups, en glissant. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu avoir ça. J'ai demandé à mes parents. Hey, c'est dans le temps. C'est dans le temps qu'il y avait. Il y avait c'est sûr que ça passe pas. Vous vous rappelez-vous les souliers qui avaient un spinner dessus? Ça me dit des quoi, spinner, genre? C'est quoi? Ça a jamais existé, ça, des souliers qui, mettons, il y avait un spinner, genre, comme sur le logo, ou je sais pas trop. Ça fait comme un spinner de chat. Ah oui, mais je pense que c'était Fat Farm. C'est Fat Farm, ouais. Fat Farm, ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné ça. Ah ouais. Mais je pense que c'est Fat Farm qui avait ça. Mais faudrait que les gens. Dans les commentaires, ceux-là qui avaient les fonds de culotte au cul. Fubu, il y avait probablement une vraie marque, mais moi, tout ce que j'ai vu de Fubu, c'était au Marcado. Ouais, puis c'était Boufou. Boufou. Ah ouais? Ben, il me semble que c'était pas c'est le... F05U, je pense. Il me semble que, genre, il y avait de quoi de qui marchait pas. C'est comme le Exco Deco, là, tu sais. Genre... Non, Boufou, c'est dans How High. Ah ouais? C'est juste qu'à place de dire Fubu, il disait Boufou. Ah ouais, juste parce qu'il avait pas les droits. C'est ouais, ça. Ouais. Calice. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Un espèce de overboard, mais genre avec des fans en dessous. C'est où on pourrait l'appeler le ankle breaker, là, parce que nécessairement, tu décalisses les chevilles là-dedans, c'est sûr. Là. C'est clair. Ouais.
Ouais. T'as-tu vu un bon film dernièrement, Dave? T'écoutes ça encore pas mal? T'avais étudié en cinéma, right? Ouais. Puis sinon, oui. Ben, j'ai vu un film japonais qui c'est Drive My Car. On l'a écouté ensemble en plus. On l'a écouté la semaine passée. Ouais. C'est long, mais c'est bon. Moi, j'ai le même commentaire. J'ai beaucoup aimé. C'est très lent. C'est... Faut que tu rentres dans l'ambiance. Ouais, tu ça prend un petit peu de temps, mais moi, j'ai vu au cinéma, fait que j'étais pogné dans la salle. Fait que ça, c'est le meilleur moment. Ouais. Si t'es ici, la séquestration, c'est toujours c'est genre sur la ouais, mais nous, on a genre écouté sur Discord après les journées de travail, puis on travaillait tous le lendemain. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé la lenteur, le dialogue, le rip, c'est puis, beaucoup. Tu sais, les concepts, genre, avec la pièce qui ramène à genre, sa vie, ça, c'est vraiment ben, exactement, mais c'est tout le long. Dans le fond, t'es comme même à la. T'es même une année, tu vas voir, t'as comme genre le gars qui, genre, il couche avec sa femme, et il fait jouer son propre rôle à lui. Ouais, pour c'est comme, tellement... Pour y faire, comme gars. Tu vas vivre ce que j'ai vécu, genre. Ouais, ouais. C'est comme, c'est très beau, très niveaux, imagé. C'est non-stop, un autre niveau par-dessus l'autre. Là, c'est vraiment bon. Là. Puis les images sont belles. C'est puis... le rugby, moi, j'ai trouvé la... parlant, c'est magnifique. C'est vraiment j'ai trouvé la meilleure scène, c'est la scène dans le taxi, là, quand les deux sont en arrière. Pas dans le taxi. C'est émotif. C'est une longue scène. Je suis comme, oh shit, il se passe de quoi. Vraiment, les acteurs sont sharp. Ouais, ils sont bons. Ouais, non, c'était excellent. On l'avait beaucoup aimé. C'est ça. Sauf que par contre, on s'était dit qu'il aurait pu quand même le couper d'un petit 20 minutes, puis ça aurait pu être pareil. Il a filmé 3 heures. Il aurait pu couper 45 minutes, je mais pense. Mais c'est le genre de film que, faut que ça s'installe. Ouais, ça s'installe. Mais c'est long, c'est clair. Là, je l'ai senti, mais dans une salle de cinéma que t'as pas le choix de pas checker ton sel. Ou, mais ça marche. Chez nous, j'aurais écouté en 3 parties. Mais rendu là pour ce film-là, faut que tu sois justement comme dans une bonne salle, dans un bon mood. Là. Ouais, tu sais, faut que tu sois vraiment. T'sais, nous, on l'a écouté parce que, en même temps, on l'a tous apprécié. C'est juste que, comme je t'ai dit, on venait de finir de travailler, puis on l'écoutait pour les Oscars. C'est parce qu'en plus, on l'a commencé plus tard qu'on pensait, on sait pas combien de temps qu'il durait. Ouais, il y a. Je pense, Best Picture. Okay. Puis il y avait un rôle de scénario ou quelque chose de même. Attends, je vous dis ça. Ah, film étranger, parce que c'est clair. Je pense que j'espère. Je pense que je pense qu'il y a Foreign Movie, puis il y a même Best Picture aussi. Quand même. Mm-hmm. Je pense qu'il y a les acteurs. Mais l'acteur était excellent. Ouais. Vraiment. Non, ça a été une bonne découverte. Belle découverte. Y a-tu des boules? Beaucoup. On voit des boules. Il y en a pas tant que ça. Non, c'est ça. Genre, juste au début, là, quand la fille à gauche, à droite, puis à gauche, je m'en passe ça. Avec lui aussi. Moi, je veux pas me faire avoir une deuxième fois. On m'a dit, écoute, mange Priem, c'est rempli de boules. Si j'en ai pas vu une paire, calice. Je me ferais pas avoir deux fois. Moi, écoutez, le grand Lebowski, on m'a dit qu'il y avait plein de boules, tabarnak. Mais c'est pas ça que je voulais voir. Moi, là, si je peux pas avoir de boules, au moins, si je veux avoir une plotte. Ouais, c'est mon. C'est comme c'est un peu la définition du cinéma, genre québécois d'une certaine époque. C'est vrai. Ah oui, il y avait tout le temps des boules. Il y avait un petit. Même dans l'ancien compte ou whatever. Ben oui, il en fallait. Ben oui. Dans les années 70 au Québec, il y avait un mouvement cinématographique qui s'appelait le cinéma du Québec. Je pense que ça s'appelait le Maple Porn ou quelque chose comme oui, ça. Oui. Les films porno, genre, mais pas. Complètement porno, un peu avec une histoire, mais pas trop de... c'était un peu humoristique, c'était pas très graphique non plus. C'est ça, du soft porn, mais plus que soft. C'était genre soft porn, mais mélangé avec de la comédie, qui est probablement... Il y a plein d'acteurs connus que, notre génération... Ouais, François Pérusse. Mais il y a plusieurs acteurs qu'on connaît. Il y a fameux le chum de Céline qui a joué dans un des films. René Angélil? Il était là-dedans, dans La Presqu'île, je pense, si je me trompe pas. Mais j'aimerais ça quand même voir ces films-là, juste pour voir ça a l'air. T'en vois un, t'es tout vu. Ouais, probablement, tu sais. Ça doit pas être si... C'est sûr, c'est dégueulasse. Ça doit être plus de l'érotisme que du porn. Non, c'est ça. C'est pas vraiment du porn, mais c'est juste comme... C'est sûr que c'est fucking shit. C'est sûr que c'est genre l'affaire la plus shit qu'on a faite, d'après moi. Mais... nécessairement, ça... C'est... Ah non, c'était vraiment juste au Québec. Hein. C'était pas au Canada non plus. Je pense que c'était au Québec, vraiment. Vraiment au Québec. Ah, okay. Pour répondre à ta question, il y a Best Picture, Foreign Movie, fait que film étranger, puis Adapted Screenplay. Mm-hmm. Qui sont adaptation. C'est une adaptation, ça? Ça a l'air. Ben, parce que la pièce de théâtre, peut-être. Mais... Ah oui, c'est une pièce de théâtre. Mais c'est une pièce de théâtre d'une pièce de théâtre, genre. T'es sérieux? Parce que. Ben, maintenant, mais t'écoutes. Ouais, mais pas une pièce de théâtre. Mais en même temps. Vraiment, je pense. Peut-être qu'il y a une pièce de théâtre du film. Peut-être. Ok, fait que la pièce de théâtre qui joue dans le film. T'as l'air de me dire que la pièce de théâtre qui est dans le film, c'est une vraie pièce de théâtre que, genre, la pièce de théâtre originale a repris pour faire une. Ok, c'est puis quand le même. Podcast, c'est genre une pièce inception, de théâtre. Là. Ça arrête plus, là.
Enfin, tu fends en deux. Oh, j'avoue que le film pourrait. Tu mettons même pour une pièce de théâtre, ça se fait quand même bien. T'as les scènes dans l'auto. T'as les scènes, mettons, quand ils pratiquent. En théâtre, c'est dans un. T'as le bord. Mais c'est à peu près quasiment les seules places. C'est vrai, mais c'est parce que les moments que tu es dans l'auto, c'est vraiment le moment où tu vois, t'apprends le plus sur l'histoire. Parce que c'est là que tu comprends comme. Tu vois des images de qu'est-ce qui se passe, mais quand tu vois le dialogue dans l'auto, c'est là qu'il vit vraiment ses émotions. Ouais, c'est parce qu'il y a tout le temps un masque partout où il va, mais quand il répète sa scène dans l'auto, c'est là que tu comprends que ce qu'il répète, c'est ce qu'il vit pour de vrai. Genre. Puis ça, justement, c'est intéressant. Puis c'est que c'est rough d'entendre sa femme qui cite tout le long. Ouais, ouais. Comment qu'il kiffe, là? Je suis comme, pourquoi? Non, ouais. Puis... Mais... Genre, c'est comme lui, l'autre gars qui raconte la fin de l'histoire de ce film. Ah, ouais, ça, c'est rough. Ouais, mais c'est exactement ça. Dans le fond, je viens de me rappeler, c'est ça la scène dans le tour, là, que genre, il raconte le reste de l'histoire, pis t'es comme, oh tabarnak. Puis lui, il se disait, même lui, il savait pas ça. Au moins, cette intimité-là, pis là, finalement, elle le donnait aux autres aussi. C'est là qu'il y a comme, quoi, ça l'a tout cassé. Vous avez écouté le film pour c'est pas là-dedans qu'il y a Rammstein. Pas ça, le film. Ouais, c'est là-dedans. Toutes les bons. Moi, je suis pas un gros fan de cinéma, mais celle-là, je le sais, par exemple, qu'il y a Rammstein là-dedans. Je le sais. Douast au début, hein? Avec Vin Diesel. Non, okay. Ah, mais ça t'installe en Christ, là, tu sais, après. Non, ça tourne new vibe, metal, là. C'est un tabarnak de temps. C'est comme si c'était carrément l'opposé. Le film est tellement lent. Ah, ouais. Puis moi, pour le vrai, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est même la scène où Skinman, il s'en va comme genre dans une espèce d'incinération de déchets, genre. C'est comme l'espèce de grue qui ramasse les déchets. Ah, ouais. Qui ramasse, c'est super lent. Ils font juste le regarder. Jette les déchets, c'est comme pour comme rejeter le passé, c'est clairement une métaphore pour rejeter tous les démons du passé, c'est comme les deux personnes qui ont plein de démons qui sont là, genre. Ouais. Puis même les déchets, genre, tombent au ralenti dans l'incinérateur, là, c'est comme... Ça fait un peu comme des films des années 60, c'est-tu ce genre de lenteur-là, où est-ce que, genre, on prend une œuvre littéraire, puis on essaye, en image, de montrer exactement ce que la personne décrit en mots, normalement, dans le livre? Parce que dans les années 60, il y a beaucoup de ces longueurs-là, genre, ils roulent en char, tu vas avoir une espèce de plan de comme un 8-10 secondes, juste de genre, voici le champ. Genre. Mais il n'y a pas fait, beaucoup de silence, quand même, ça parle. Tu vois, oui, il y a des bouts qui se prennent juste en char, mais il y a tout le temps la voix. Ouais, genre, c'est comme la communication est tout le temps présente, mais je comprends le verbe que tu veux dire, mais... Des affaires contemplatives. Oui, c'est ça, mais c'est pas tant contemplatif que ça. C'est comme, t'as vraiment comme... C'est juste, en fait, c'est une question de tempo, puis même le personnage principal, qui comme dirige la pièce de théâtre, le fait avec ses propres acteurs. Lui-même, il est comme genre, on dirige le tempo, la cassette qu'il répète avec sa blonde dans l'auto... Tout est une question de tempo, genre c'est comme un thème récurrent. Okay. Puis comme genre, tu vas voir, c'est comme quelqu'un dans l'auto, t'as sa blonde qui, ben son, on avait sa femme, qui genre shoot des répliques, puis lui c'est exactement quand répéter. Fait que tu sais, comme puis il fait le même principe avec tous les acteurs, fait comme. C'est juste pour comme décrire une espèce de, quand je prenais ça, comme une évolution à travers comme le temps et la vie, c'est tout le temps sur la même base, le même principe. Fait que c'est comme voulu contrôler, c'est pas le même concept. OK, fait que c'est vraiment une œuvre conceptuelle, genre, finalement. Ouais, c'est comme, faut que tu catches le concept pour vraiment aimer le film. Mais ça se comprend bien, je pense. Je pense. Honnêtement, j'avais pas tout catché, je pense, les seconds degrés dans mes affaires, parce qu'honnêtement, j'étais moins attentif aussi. Je jouais au poker en même temps. Moi, je l'avais écouté, pas de sous-titres en japonais. J'étais fourré ben raide. J'ai rien catché du film. Je suis content que vous me le disiez, que c'est ça. J'avais rien catché. Le pire, on a écouté un film, on a écouté un autre... Coda, ça c'est drôle. Coda, c'est bon, ben oui, très bon film. C'est un film, je pense que c'est une reprise d'un film français. Ouais, une adaptation d'un film français, ouais. Okay. C'est une famille de sourds, puis là, il y a une des... La fille qui décide de tuer son père, finalement. Non, fait que là, elle rentre, puis lui, il l'entend pas, puis elle noie. Mais la vraie histoire, c'est comme t'as comme la fille, genre, justement, qui comme genre vient d'une famille de sourds, puis... Elle, dans le fond, comme tout le long, c'est elle qui fait la traductrice, la traductrice pour toute la famille. À chaque fois, la famille va à quelque part, c'est elle qui va faire les communications pour elle, puisque elle comprend le son, elle sait parler, puis elle sait communiquer le langage des signes. Puis elle veut devenir chanteuse. Mais là, sa famille est comme, pourquoi tu veux devenir chanteuse? Et eux, ils comprennent pas c'est quoi chanter dans la vie, puisqu'ils n'entendent pas la musique, puis ils n'entendent pas les sons. Mais bon, sauf que ce film-là, pour de vrai, comme, je dirais que
quasiment la moitié, trois quarts du film, c'est des conversations en langage des signes. Ouais. Ah, ok, faut que tu sois prêt. Ben, t'as souvent des conversations avec du monde, mais tu sais, mettons, c'est entrecoupé de scènes avec elle puis sa famille. Puis il y a même des longues scènes. Puis on n'avait pas ce titre, puis on pensait que c'était comme voulu. On pensait que c'était quand même genre, ok, c'est peut-être conceptuel. On comprendra pas comme eux, ils comprennent pas normalement. Moi, j'aimerais ça apprendre le langage des signes à la même manière que les gens apprennent l'espagnol. Je veux juste croiser un serveur qui est muet puis faire. Prendre un coke, esti, puis épater tout le monde. J'ai juste savoir d'un groupe de sourds et muets, puis c'est spécial. Ben, au pire, apprends, je vais prendre un coke en sourds et muets, c'est assez simple. Ah, j'ai pas besoin d'apprendre tout! Yes! Moi, de prendre un coke! Yes! Tu viens de me sauver, esti, calice, des semaines de cours. Mais c'est ça, fait que là, on s'est rendu compte après au trois quarts du film. Après une heure de temps, Matt, Matt fait, hey, by the way, il y a des suites. Puis pour de vrai, c'est des gags en plus. On a même réécouté quasiment l'une heure au complet. On a fini le film, on a réécouté parce que les répliques sont vraiment bonnes là. Ok, c'est drôle pour eux. Ouais, c'est vraiment un bon film pour eux. C'est un bon film émouvant avec des bons gags pour vrai. Puis c'est ça, c'est une fille qui veut devenir chanteuse puis elle va aller étudier mettons dans une grosse école. Je pense à Berkeley ou. Ouais. Mais en même temps, ce que ça fait. Je pense à Berkeley, elle va aller étudier en chant, puis il y a comme son prof qui est là, puis il essaie de la pousser. Mais sa famille est dépendante de elle, parce que c'est elle qui. C'est vraiment, vraiment bon. Comme tu fais la traduction. C'est le bout du meurtre, là, de son père. Ouais, ben ça, écoute-le au complet, puis on s'en reparle après. Pas de suite. C'est qui? C'est qui l'actrice? Je la connais pas, moi. C'est Melissa McCarthy. La grosse, hein? Ok, bon. C'est elle quand elle avait 16 cet été. Attends, c'est elle? Ça, c'est Melissa McCarthy. Ça, c'est pas Katie Holmes, ça? Lui aussi, l'autre gars à côté, là. Ah, juste, c'est le professeur Xavier. Non, c'est Melissa McCarthy aussi. C'est vrai que c'est la même oreille. Il y a le même côté. Crâne, c'est vrai. Le crâne humain, il se ressemble d'une place à l'autre. C'est juste que lui, c'est ça, il y a un crâne pis de la peau calée sur la face. J'aurais aimé ça que professeur Xavier, en Grèce, devienne obèse morbide, mais la même crise de shape slim. On voit bien ses autres crânes. Mais le reste est dégueulasse. Ça fait penser, genre, il y a un doux là qui se jam, genre, il arrive, puis il parlait de gagner à la loterie, genre. Puis j'ai dit, c'est quoi tu ferais, mettons, si tu gagnerais à la loterie? Première fois qu'il m'a dit, sans réfléchir, il dit, moi, je paye Katy Perry 3 millions pour qu'elle engraisse de 300 livres. C'est comme si c'est un bon gag. Mettons, c'est pas que 100 millions. Mettons, tu t'en pognes un peu à has-been. Mettons, Britney Spears. T'as le 10 millions, là. Faut que tu prennes 300 livres d'ici cet été. Genre. Que genre, elle se fait. Que, honnêtement, que le monde la nourrisse à la pelle. Là, ah, tabarnak. C'est genre un kink, peut-être. 3 millions de dollars. Je sais même pas si je le ferais moi-même pour 3 millions de dollars. Ouais, non. Ouais, 300 livres. Ouais, 300 livres. 300 livres, c'est la chose. Pour le vrai, après, là, je après ça, ta peau va être dégueulasse. Non, ouais, tu dois travailler fort. Ben. 300 livres à un an, c'est impossible. Juste comme genre, je regarde ton frame. Là. Genre, toi, un gars comme toi, gagner 300 livres, il va falloir que tu manges au point d'en vomir à tous les jours. Genre, ça va être contre. 300 livres. Genre, tu risques de mourir avant. Ah, pour vrai, faut juste que tu manges non-stop, que tu bouges zéro. Fait que tu dépenses aucune calorie de funk. Honnêtement, j'avais le goût de me tirer une balle, juste psychologiquement parlant. Tu sais, mettons, les 2-3 premiers jours, c'est le fun, je fais rien, tu manges. Mais pour la vraie, ça, tu vires. Ben, tu peux t'emboîter. Tu peux empoisonné, tu peux clairement mourir. C'est tu peux mourir de trop manger. Mais oui, clairement, mais je veux dire, je parle sur même sur un short term, là, genre, comme, tu pourrais-tu, comme, t'empoisonner Si tu prends 300 livres en une année, c'est sûr que tu peux mourir. T'as une femme qui est morte. Qui est pas parlé en même temps, par exemple, gars. Moi, vous autres, vous n'avez pas d'écouteur. Moi, je suis juste comme. Blablabla. Je suis comme. Comment ça va? Allez-y. Ouais, non, mais. Non, ça n'a plus rapport, vas-y. Ah non, vas-y. J'insiste. Vous vous rappelez pas de ce que vous vouliez dire, toi et deux? Bon, on parle d'autre chose. Parle à ton micro. À ton micro. T'as du monde qui a bu trop d'eau? Par contre, on dirait un coach de basket. Dans ton micro! Oh, il tire! Il est rendu même. Ouais, non, mais c'est quoi? Est-ce que t'as du monde, genre, comme justement, qui. Tu sais, comme qui buvait trop d'eau rapidement, qui sont morts de ça, tu fais boire trop d'eau et en mourir, Ouais. C'est vrai. Noyé. Puis en même temps, après ça, tu dis que tu prends 300 livres, tu vas bloquer tes artères. Faire une crise cardiaque est rendu comme facile. Tes reins, ton foie, tout va lâcher. C'est vraiment, tu sais, si, mettons ton poids santé, même si ton poids santé, mettons, c'est 200 livres, mettons, là, même si t'es un petit peu en haut, le Chris gagne 300 livres en une année pour rire. Là, sérieusement, ceux qui survivent ce poids-là, c'est comme limite des anomalies. Là. J'imagine, je suis pas un expert rendu là, genre, je ne fais que spéculer. Mais, mais c'est vrai que ça doit être très dans ta barnaque pour. Je sais être couché.
t'as un fucking gros poids sur ta cage thoracique, toutes tes os sont pas juste ça, marcher là, tu devrais décoller les genoux là, Chris, 500 livres. C'est comme les problèmes de genoux. C'est sûr et certain. Il y avait une époque où je me tenais en forme, mais j'avais pris un peu trop de poids, puis genre je montais des escaliers, puis j'étais essoufflé là, puis je travaillais en restauration, j'étais serveur à l'époque là, puis je marchais, puis comme j'étais quand même actif, mais j'avais quand même pris du poids. Puis ouais. Monter escalier, je trouvais ça rechant. Ben, ton corps, puis le sang. Il y a des hangovers que ça m'arrive. Là. Ouais, mais ça, c'est un hangover, c'est pareil. Wow, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de sommeil. Les obèses. J'ai plus. Moi, avec, quand je skip une nuit de sommeil. Moi, je pense que les obèses, c'est ça qu'ils recherchent. A été soufflant en montant et marche. Ben oui, c'est un high. Ils s'entraînent pour ça à l'année, puis le monde les écœure. Chris, c'est des athlètes, ces astuces. T'as du monde qui se met une ceinture autour du cou, genre pour se choquer, pour avoir le même feeling. Ben oui. Quand tu peux juste manger. Ah oui, tu peux rien que manger, monte les escaliers. Tu vois, ouais, des points noirs, hostie. Regarde. C'est un peu creepy, l'espèce d'image. Ouais, je sais pas, je voulais accoter ce qu'on parlait avec de l'imagerie. Le crâne de professeur Xavier. Le crâne du professeur Xavier. Si on écoutait cette semaine West Side Story, là, Steven Spielberg qui a fait West Side Story. Ah, c'était vraiment bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Quand même bien, ouais. Genre, j'ai pas une comédie musicale. Ben, moi, je suis pas fan de pantoute. Ouais, je sais que t'aimes pas ça, les comédies. Pas fan de pantoute de ça, mais ce que je trouvais bien, c'est qu'il était capable d'exprimer en une danse, genre, une évolution d'une conversation, genre vraiment tu filais mettons genre l'émotion qui changeait pendant la conversation qui était une danse, genre ce que je trouvais intéressant, mais genre honnêtement j'ai pas tant trippé sur le film, pas casse-noisette, mais c'est bon. Non, ben tiens, honnêtement je dis casse-noisette en ice, ça c'est bon en tabarnak. La fille m'a fait brailler à la fin. L'histoire est shit, là. C'est un remake d'un film de 61. Là, fait, ouais, ben, j'ai déjà entendu le nom, c'est un classique. Là, J'ai commencé à le regarder, puis je l'ai pas fini. Le vieux, là, je pense. La tune I Feel Pretty, elle vient de ça, genre. Ben justement, c'est toi qui m'as fait remarquer. Moi, je suis comme Chris, je connais toutes les tunes de cette comédie musicale-là. C'est à cause que justement, c'est un remake de. D'une comédie musicale. Là. Ouais, c'est ça. C'est probablement comme un classique. Là. J'ai entendu une tune, je suis comme Chris, c'est Chrisman, même affaire. Que dans une Galaxy Pretty, ils ont clairement repris la mélodie. Mais c'est de ça, c'est une tune. C'est ressorti récemment. Planète. Ouais, mais tu as fait pour les Oscars cette année. Ouais. Dans le fond, tous les films qu'on passe, tous les films pour les Oscars, c'est juste ça qu'on fait écouter. C'est juste ça qu'on écoute cette année. Ouais, nice. Ça fait un bon rush de films. Un pool de films. Ouais, un pool. Tous les films qui sont nominés deux fois pour les Oscars, il faut les écouter si on perd un point. Personne met 20$, on bête sur toutes les. Puis est-ce que vous avez genre une feuille ou vous faites ouais, en ouais, ligne? Ouais, ouais, une feuille. Il y a Mitchum qui a même fait un dossier Excel, genre avec des statistiques, le temps qu'il reste pour écouter les films, fait combien il faut qu'il en écoute par semaine pour arriver à son objectif. Moi, j'ai tellement retard, je l'ai écouté à moitié. C'est quand est-ce déjà les Oscars? C'est à fin mars. Tabarnak. Moi, je veux que c'est sur ma photo de couverture sur Facebook, ça, maintenant. Est-ce que John Travolta, non, pas à gauche? Non, c'est trop vieux pour que ce soit John. Ouais, non, mais ça, je me dis, ça n'a aucun sens. John Travolta avait probablement 5 ans. Elvis était supposé jouer là-dedans. Ça aurait été tellement. Elvis était supposé jouer là-dedans. Du karaté. Ben, je sais pas qui aurait joué, mais il était supposé jouer là-dedans. Il voulait jouer là-dedans, mais son gérant trouvait que c'était pas assez payant. Fait qu'il a fait faire des films de merde. Puis Mais c'est la même affaire. Elvis aurait pu avoir une grosse carrière internationale, mais son gérant à l'époque était comme hey, sortant des États-Unis, ça sert à rien. Non, mais c'est, qu'il c'est parce qu'il avait peur. Il avait peur dans le fond que je pense que son gérant pouvait pas voyager à l'extérieur du pays. Pourquoi? Il y avait un dossier, Probablement un dossier criminel ou quelque chose. Puis, il me semble que c'est ça. Là. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que. Ouais, son il était comme réfugié de guerre ou je ne sais pas trop. Il ne pouvait pas voyager, lui. On l'entend. Je l'ai vu dans. Si je ne me trompe pas, il n'y avait pas de citoyenneté américaine. Fait qu'il ne pouvait pas voyager. Genre, il ne pouvait pas sortir du pays. Je l'ai vu dans le. 27 mars. Le documentaire Netflix qui ont sorti. C'est une série documentaire sur Elvis. Ouais. Puis j'ai écouté la série au complet. C'était super bon, d'ailleurs. C'était quand même assez intéressant. Puis je pense que c'est là-dedans que j'ai vu ça. Si je me trompe. Ouais, je pense que c'est là-dedans que j'ai vu ça. Son gérant avait un passé sombre. Ouais, le colonel, je sais pas trop. Là. Il s'appelait le colonel, mais je sais pas. Le colonel, c'était pas Sender, là. Mais toi, ça. C'est pas le gars du poulet, là. C'était le moutarde. Ouais, mais c'est pour ça. Fait que s'il allait à Outre-mer, il pouvait pas le suivre. Puis peut-être qu'il avait peur de pas avoir de royauté de tout ça. Lui, il avait clairement une emprise sur lui, puis il voulait pas le perdre. Ah, tout à fait. Ouais. Il l'a fait enfler. Même temps,
Ouais. Est-ce que vous avez vu des films... Avez-vous regardé des films de Elvis déjà? Oui. Ça fait longtemps, mais oui. Moi, mon père, c'est un grand fan fini d'Elvis. Là. Ah oui? Je connais beaucoup d'Elvis. En fait, tout ce que je connais d'Elvis, c'est à cause de mon père. Là. Mon père, je pense qu'il était comme... Il a fait le road trip à Memphis. Il a visité sa maison. Ah, cool. Il a tout fait. Puis j'ai comme grandi en écoutant du Elvis. Puis je comprends le hype. C'est pour ça que depuis tantôt, tout ce que tu dis, je l'ai déjà vu. C'est mon père qui m'a tout montré ça. Là. Ah, cool. Le karaté. Ouais. Un jour, il fait « Hey, père, j'aimerais ça apprendre des cours d'autodéfense. » Parfait, il m'a mis une vidéo d'Elvis. Elvis, le meilleur, le meilleur. Ben oui. Le Elvis. King du karaté. Elvis, c'est le sous Elvis speed. Chuck Norris. Ah ouais. C'est juste Elvis qui se fait knocker. Fuck. Elvis contre les speed pis les somnifères. Oh wow. Elvis affrontera le cholestérol. Elvis, c'est comme genre le Elvis grunge genre des années de l'époque. Ben, en tout cas, je vous conseille le documentaire, mais... Ah oui, c'est ça, le film que j'en ai écouté une coupe avec ma blonde. Ça Par a commencé... Des biopics ou des films de... Des films. On a écouté... Ouais. En fait, on a écouté King Creole, qui est le premier, en 58, qui est sorti. Puis c'est fucked up de voir un film de 58, d'ailleurs. J'écoute pas énormément de vieux films, fait que c'était quand même intéressant. Puis le film, honnêtement, overall, est bon. Okay. Le rythme est quand même là, parce que c'est vraiment un film bonbon c'est de l'époque. C'est cheesy movie, là. Fait qu'on rejoint un petit peu plus notre rythme, entre guillemets. Mais King même Creole, plus... c'est en Haïti ou quelque chose du genre? Non, ça se passe en Louisiane. Texas? Ah, ben il y a beaucoup de créoles de population. Je pense que c'est genre en Louisiane. Nouvelle-Orléans? Je pense pas que c'est mentionné. En fait, c'est parce qu'il y a des Haïtiens qui travaillent pour lui. Mais en fait, c'est des esclaves. Ouais. C'est vraiment c'est là ça part. Que ça a tourné. Ouais, en fait, le King Creole, c'est le nom d'un bar dans lequel le personnage d'Elvis travaille, dans le fond. Okay. C'est ça. Puis un autre, c'est genre. Lui, il est à chier, mais il est écœurant en même temps. C'est ça qui est nice avec ça, parce que lui, il joue genre un courseur automobile, puis il est fucking misogyne. Ben, tu sais, pas misogyne. À l'époque, il était juste normal. C'était un homme. Il était juste normal. C'était un homme de 58. C'était pas, c'était pas de la misogynie upfront. C'était Nouvelle-Orléans. Ah, OK, bon. Mais ça filait comme ça quand même, le setup. Puis, ouais, c'est ça, le film. C'est quoi le film qui est un courseur automobile? Genre, je m'en souviens plus, il y en a tellement. Honnêtement, je les ai écoutés, mais j'étais jeune, puis ça n'a pas été un Rape Race. Ouais, je comprends. Rape Race. Mais ouais, c'est ça. C'est juste Elvis dans, genre, comme, basically, le rôle de Carroll Shelby, la légende des sports automobiles, là, rien de moins. Puis, c'est ça. Puis, il était un peu misogyne, puis Chris, que je trouve, ça a mal vieilli, ouais, j'adore ça. C'est comme les James Bond de l'époque ou whatever. Là, t'es comme ouais, Chandler, ouais, lui, à l'époque, ouais, là, on s'entend. Ouais. C'est pas toujours... Mais c'est entrecoupé ouais, c'est d'Elvis qui chante des chansons d'amour. En contexte. Ah, fait qu'il est chanteur dans ses films aussi. Oh, il chante tout le temps dans ses films. Ouais, ben oui. Parce que c'est une grosse publicité pour Elvis. C'est un... quoi. Hein? Tu sais, c'est un film. C'est un film d'Elvis. T'sais. Même aujourd'hui, on appelle ça un film d'Elvis. Parce que ça a comme un peu son. Son style d'une certaine manière. Eh oui, ça a tout l'air d'être produit par sa boîte à lui. Là, Le gars qui peut pas sortir du pays. C'est le genre de Rob Schneider. Ça, mais... ça devient comme autant que, mettons, genre un film de Disney, mettons, genre, va être là pour vendre des jouets, mais son crise de film, c'est pour vendre des c'est albums. Vrai que c'est le même principe. Oh, Star Wars, puis tout. Ouais. Mais il y en a que c'est. Il y a certains films, par exemple, qui sortent que pour vendre des jouets, que c'est vraiment plus clair que d'autres. Ouais. Comme. Le fameux Batman là, avec Mr. Freeze, là, où est-ce que genre Robin a sa moto, Batman a genre trois les véhicules Burton, vendus séparément. Ouais. Il devrait être marqué sur les véhicules vendus séparément. Puis en même temps, c'est comme si c'était Tim Burton qui l'avait fait. Là, avec, comme il y a tout un petit look un peu enfantin dans les films de Tim Burton. Ouais. Là. Je pense que c'est pas Wes Anderson. C'était un lapsus. Mais je pensais que c'était. Non, mais sinon, c'était. C'est pas Tim Burton qui avait fait. C'est le premier qui a fait. Le mauvais, ben, c'est lui, puis c'est un autre. Mais le deuxième, Tim Burton avait refusé de le faire au départ. Mm-hmm. Celui avec double face, puis. Le pingouin. C'était qui? Non, le pingouin, puis la femme chat, forever. Ça, c'est le premier. Okay. Puis le. Ah non, excuse-moi. Forever, non. Je me trompe. En fait, le premier qui a fait, c'est celui avec le Joker. Okay. Ouais, avec le Joker. Ça, c'est le premier qui est très bon, d'ailleurs. Ouais. Fucking bon. J'adore. C'est vraiment cartoony, mais dark en même temps. Mais le style ces films-là, est malade. Quand on était jeune, on les trouvait un peu... Ben, Batman, c'est comme kitten. Ouais. Puis ces films-là, je les trouvais mauvais. Puis je les ai réécoutés par après, puis je suis comme... C'est vrai que c'est quand même sharp. La trame sonore, l'ambiance, c'est quand même... Ah, c'est Tim Burton?
Ouais, c'est Tim Burton. Ouais, cool. Ben, tu sais, Batman, quand on était kids, c'était comme de la... C'était... J'allais dire c'était fif, mais ça... Ben, non, mais à l'époque, c'était ça. Ouais. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. By the way, même Batman Forever, qui est celui avec Jim Carrey puis Tommy Lee Jones qui fait double face, est réalisé par Joel Schumacher. C'est ça, en fait. Donc, le premier, dans le fond, c'est avec le Joker. Joel Schumacher, le deuxième, c'est l'autre Batman et Robin. Ouais, c'est celui-là avec Mr. Freeze. L'enragé. Avec, comment il s'appelle? Ça jouait tout le temps. Falling Down, là, avec Michael... Il y avait une bonne réception. Bon, Michael Douglas. Ils l'ont mis sur Netflix dernièrement, Falling Down. Ah, il a réalisé House of Cards. C'est malade, c'est tellement un bon film. Je l'ai écouté quand même jeune, puis même jeune, j'étais quand même peut-être comme 15-16 ans. Assez vieux, t'étais jeune à l'époque. Oh shit, le gars, il a aussi... Ça fait longtemps quand même. Ben, une quinzaine d'années, pas loin. Ça fait 13 ans. Il a aussi réalisé Le Nombre 23 avec Jim Carrey. J'ai trouvé quand même bon, j'avais vu ça. Ok. Ben, tu vois, le monde n'ont pas... Il était pas à chier. Moi, j'avais aimé quand même ce film-là. Non, ça passait bien. Je trouvais que c'était quand même... un bon trailer, genre vendredi soir. C'est ça, pas un chef-d'œuvre, mais ça passe... C'est efficace. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça bon de voir Jim Carrey un peu. Puis en fait, je pense qu'il avait fait Eternal Sunshine avant. Eternal Sunshine, j'ai jamais vu. C'est lui que je pensais. Mais lui, ça vaut la peine. Ouais, c'est bon. C'est pas un vendredi soir. C'est celle-là où il est comme perdu la mémoire, je pense. Ouais. Ben, c'est lui qui demande à perdre la mémoire parce qu'il vit une peine d'amour. Ouais. Puis il veut oublier la personne. Puis il veut. Fait qu'il s'en va voir une agence qui s'occupe de. Complètement. Son ex-copine se fait effacer la mémoire, puis il essaie d'aller vers elle. Les 50 premiers rendez-vous. C'est aussi bon. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais lui aussi, il essaie de se faire enlever la mémoire. Par après, quand il voit qu'elle, elle se souvient plus de lui. Ça devient comme la fin de Click. Non, on veut pas ça finalement, puis on sombre. J'ai écouté cette semaine en plus. Ah, pour de vrai? C'était pas mauvais, Click. Click, c'était bon. Click, pour de vrai, j'ai pleuré à la fin. Là. Ben, je m'attendais pas à ça. Moi, pour de vrai, je pense que c'est le meilleur film d'Adam Sandler. Là. C'est genre. Obi Halloween. Jamais. Non, mais c'est genre comme le film, je pense, qui m'a plus comme rejoint. Genre, comme à la fin, j'étais comme. Ouais, j'ai eu des émotions. J'ai pas juste comme. C'est drôle. C'est son film. C'est son film le plus touchant, je pense. Son meilleur film, je pense, c'était le dernier qui a fait. L'affaire du diamant, là. Ouais. Ça, c'est clairement de loin, mettons, son... Uncut Gem. Ça, je pense, c'est comme le film le plus profond puis le plus... C'est sa meilleure performance individuelle. Ouais. Mais reste que c'est classique Happy Gilmore puis l'autre qui venait après. Le porteur... Billy Madison. Toute cette gang-là, moi, c'est des films qui m'ont marqué. Là. Ouais, t'sais, même si les autres ont un peu plus de substance, ça reste que ça, c'était efficace. Il y a pas beaucoup de bonnes comédies qui ont... marqué des générations. C'est comme ta question, on pourrait dire comme Jim Carrey avec Ace Ventura, genre, Le Masque. Le Masque, c'était tellement... Ça a mal vieilli des années. Le Masque, Ace Ventura, oui, mais t'sais comme... Ça, je réécoute. Mais non, fais pas ça. Non, mais j'ai commencé à l'écouter, là, j'ai écouté 10 minutes, j'ai fait... Non, le 1, pas le 2. Non, je parle de 2. Ah ouais, le 2, je suis sûr, mais le 1, il me semble... Le 1... pourrait avoir un petit... Le 1 était quand même bon. Le 2, même quand j'étais jeune, j'étais comme, il est drôle, mais pas... Le film que je vais regarder ce soir, là, parce que les années 90 est tellement fertile pour les comédies. Là. Le nombre de comédies qui ont sorti, qui ont marqué tout le monde... C'est vrai que ça roulait. Là. Ça roulait en crisse, mais celui que je veux voir comme ce soir, là, c'est Major Payne. Major Payne, j'ai mis en DVD chez lui. Ah oui! Oh shit! Oh, c'est Major Payne, c'est un sergent de l'armée qui a été... qui est revenu du combat, mais je pense qu'il était blessé ou quelque chose de même, fait qu'il devient... C'est les Mighty Ducks en version genre on est dans l'armée. Ouais, c'est exact. Ils font le grand V avec leur gun. Mais le gars, c'est un mercenaire. Le gars a tué plein de monde à la guerre et tout ça. Mais là, il faut qu'il entraîne des scouts, tu sais. Fait qu'il arrive et il est tout le temps en tabarnak. La prémisse est écœurante. Ben, l'acteur principal, je m'en rappelle plus de son nom, mais on l'a vu dans d'autres séries. C'est un des frères Wayans, c'est vrai.
C'est vrai, c'est probablement le plus vieux de la gang. J'imagine. Anyway, c'est parce qu'ils ont fait les frères Wayans. Ils ont fait Scary Movie. Ah, c'est cette gang-là? Ouais, mais c'est mettons, c'est Scary Movie, là, un, comment ils s'appellent déjà, quelque chose, Wayans, puis je ne sais pas leur prénom, là, mais c'est ouais, le plus ouais, vieux, c'est le plus vieux de leurs frères. Il y en a un qui est Marlon Wayans, je pense. Mais il n'a pas travaillé sur le film de Scary Movie. Je ne sais pas, je pense pas. Je pense que c'est comme, t'as les deux frères Wayans dans Scary Movie qui sont comme Shorty, le Stoner. Ah, maintenant tu montres la pochette, ouais, ok. J'ai vu. Ouais, j'ai jamais vu le film, j'ai juste vu la pochette quand j'étais jeune. Plus, ben, honnêtement, peut-être, c'est le genre de film, peut-être j'ai pas eu de monnaie à. Comme, si ça passait à TQS, c'est sûr, j'ai déjà écouté, mais je m'en souviens plus. Genre. Ouais. Mais il pète Bam Bam Bigelow. Ouais. Il y a le lutteur Bam Bam Bigelow. Je vais t'expliquer ce qui va arriver. Je vais te frapper avec ma jambe gauche sur ta mâchoire. Là, il arrive, il lève, il punch. Ah oui, c'est tu le m'avais père dit du que bum. Tu frapperais avec ton pied. Tu oses dire que je mens alors. C'est genre, le personnage a les meilleurs réplique de genre des comment t'appelles ça? Anyway, c'est genre des catchphrases? C'est genre un procédé humoristique, mais anyway, il en fait comme une dizaine dans le film, pis c'est tout le temps tellement malade, là. C'est des répliques. La traduction française est attachante. Ouais, mais honnêtement, c'est une bonne époque pour les traductions. Bon, honnêtement, ouais. Je sais pas si c'est de la nostalgie. Comme l'époque des Simpsons. Mais... Non, mais les Simpsons... Ben, non, les Simpsons, ça, c'est ouais. vraiment travaillé et adapté pour. Là. Je veux mais dire... ça, c'est, ça rentre dans à peu près... Même Austin Powers, déjà, c'est comme... J'avais déjà entendu... Ça, pour de vrai, c'est une affaire que j'avais entendu comme du monde qui disait comme quoi que, justement, la raison pourquoi que dans les années 90, les adaptations, traductions étaient tellement bonnes, parce qu'ils prenaient le temps de traduire. Aujourd'hui, ouais. avec Internet, avec tout le leakage, tous les films qui doivent vraiment respecter les timings, puis souvent, comme ils vont se faire leaker plus tôt sur Internet, comme oui. ça fait la même tout ça, pas, ils ont comme, ils ont le comme film coupé en la langue originale. De plus en plus. Ouais. Fait qu'ils ont comme tout coupé là-dedans, qui fait que c'est, comme c'est, les, c'est plus boboche. C'est ce que j'ai entendu comme théorie. Mais j'avoue que, tu sais, honnêtement, ça fait des années que j'ai pas écouté un film traduit, là, anyway, là. Ouais, moi non plus. Ouais, tu même justement, Drive My Car, on l'avait écouté en japonais. Ouais. J'ai mieux l'écouter avec des sous-titres au pays, même si c'est une langue que je comprends. Ben, tu sens plus le feeling de l'acteur. Ouais, ouais. Ah, ouais. La Casa del Papel, genre en italien, c'est tellement beau, mais quand tu l'écoutes, genre. Tiens, oui. Honnêtement, je pense que. Je sais, j'arrive pas à dire italien. Non, je sais, c'est espagnol, excuse. La dernière fois, j'ai tout le temps ce mauvais réflexe-là. Mais ouais. Je pense que c'est dangereux, ouais, moi aussi, ça m'arrive. Moi, ça, les Italiens mangent des tacos. Non, mais pour la Casa del Papel, je sais pas pourquoi je dis tout le temps italien, mais genre, je le sais que c'est espagnol à chaque fois. Ah, ouais. Je pense, la dernière fois que j'ai écouté traduite, c'était genre Squid Game. C'est parce que je voulais pas écouter une série, genre, vu que c'était trop long. Ah, j'ai la même affaire, j'ai faite pour toi, parce que Squid Game, j'ai comme écouté On the Side en faisant autre chose, ouais. qui était excellent, là, mais ouais, c'était bon. C'était bon. Tellement bon. La fin était à chier, par exemple. La fin était particulièrement à chier. Assez que je m'en calisse de la saison 2. Ouais, pour moi avec. Moi, je suis curieux, là. C'est sûr, je vais l'écouter quand même. Ben, je sais pas, mais on dirait que c'est comme s'il essayait de trop faire. On dirait, on dirait que ça a été comme écrit par la suite, genre, mettons, la fin, là. Ouais, genre, ça répète. On dirait qu'ils ont essayé de racheter une couche, là. Ils ont mis comme une couple d'éléments, puis fait, oh ouais, ça va être une bonne twist. Parce qu'ils ont souvent des bonnes twists, mais c'est là, on dirait, hey, pauvre. Mais c'est à cause que. Ça va être trop, là. Ça pourrait tirer, là. C'est ça. Quelqu'un, comme, hey, on est smart en esti, hein. Ouais, non, c'est trop. Un gars qui non, souvent, pour les séries, ils vont tout le temps trop loin, puis t'es comme, ah, c'était bonne série pour ouais, juste parce que tu veux avoir une saison 2. Des fois aussi, tu le sens, l'accrobore là-dedans. Ben aussi qu'ils voient, ah, ça marche bien. OK, ben là, faut qu'on allonge, tu sais, à ce moment-là. C'est ça, exact. Ouais. Exact. Ouais. Mm-hmm. Ouais, je suis pas sûr si ça avait été fait dans ce cas-là, parce que d'après moi, ça devait tout être déjà filmé. Mais en même temps, c'est pas des niaiseux. Ils peuvent voir peut-être le potentiel. Mais ah, j'avais je devais pas savoir que ça allait être traduit en autant de langues. Ça a été, honnêtement, ça a été un hit mondial. Inattendu. Ben, il y a eu c'est le film coréen? Avant. Ouais, c'est ben, coréen, oui. Mais les Coréens, ils commencent la culture. Ouais, mais là, c'est de plus en plus. Ils sont forts là, dans la culture. Puis ils ont mis de l'argent là-dedans, tu vois, qu'ils misent là-dessus pour faire grandir la Corée. C'est super bon, là. Le nouveau Hollywood, là. Ouais, c'est bon. Mais ça fait une couple d'années que, genre, qu'ils commençaient à sortir d'un festival, puis tout, puis à rentrer solide. Puis là, ben, ils sont rendus dans l'international. La Corée, depuis une dizaine d'années, c'est niaiseux. C'est le meilleur film, c'est. Mais je trouve que la culture coréenne en général, tu as même genre la K-pop, là, genre, je ne traite pas nécessairement la K-pop, mais veux pas, tout le monde sait c'est quoi la K-pop aujourd'hui. Ben, là. C'est comme l'équivalent des années 2000 avec les boys bands de ça qui ont fait le même pattern. J'ai pogné un band parce que j'écoutais sur Netflix une série, c'est Midnight Asia. Mm-hmm. Ça montre la vie nocturne dans plusieurs places en Asie, puis c'est vraiment intéressant. Pis, c'est tout un viol. Il y avait un band coréen qui s'appelle Linalchi.
Puis j'ai téléchargé l'album, je l'ai écouté. C'est vraiment, vraiment très bon. Mais une moment donné, il faut que tu fasses abstraction du fait qu'il parle coréen parce que c'est, en plus, c'est un petit peu genre, c'est weird, je sais pas comment vraiment trop le décrire, mais la voix fait penser à une espèce de délire un peu années 60. C'est un peu psychédélique. La voix en particulier, okay. Mais le, genre la musique. Pink Floyd avec le premier chanteur. Genre, puis ouais. La musique, c'est genre drum. Ah, nice. C'est un drum nice, avec, là, mais... avec deux basses. Ok, deux basses, ça c'est. Drum, ça deux basses, that's it. C'est quoi, il y en a une qui joue les notes plus aiguës ou il ouais. Joue... Okay. Oh, il y a vraiment un partage super intéressant. C'est mélodieux ensemble. Même. Ah ouais, absolument. Okay. C'est vraiment cool qu'est-ce qu'ils font en tant que tel. Mais j'avoue que si tu mets la... Je vais vous la faire écouter tantôt. Là. Mais genre comme... quand la chanteuse part, puis elle est vraiment genre comme over the top. Là. Okay. En fait, c'est vrai, son quatre ou cinq chanteurs avec drum pis deux basses. C'est fucked up. Ouais. C'est vraiment weird. Mais c'est vraiment bon, par exemple. Okay. Musicalement... Mais c'est pas de la K-pop, là. C'est de la bonne... Ben, j'allais dire de la bonne musique. Ouais, la musique ouais. Aucun préjugé. Un peu plus recherché, là, ouais, mettons. Okay. Oh, ouais, vraiment, okay. Absolument, absolument. Je vous les ferai écouter tantôt. Cool. Là. Mais je me rappelle même quand on a fait notre DEP, si genre, le... Quoi? Ça fait 13 ans, genre? Ouais, ben, je suis un fan de. Ans. J'ai été longtemps un fan de cinéma coréen. Là. Ouais, genre, tu m'avais. Ce qui existait, mais je trouvais que Squid Game, c'est comme un ramassé de tout le meilleur du. Mais. Le meilleur du cinéma coréen, mais un peu toute l'ambiance, la okay. Vengeance, un peu. Les thématiques. Ouais, les thématiques qui reviennent ouais. Tout le temps, tu sais, ils ont tout pris ce qui marchait ouais. Bien, puis ils ont fait un ramassé, ouais. Mais. Les Coréens sont sharp. Ouais, ouais. Je me rappelle dans le titre, tu m'avais montré Old Boy là, avant qu'il fasse Old un Boy, ça, man. Là, ouais, moi, j'ai juste écouté la version américaine, là, qui était excellente. Puis faudrait un jour j'écoute l'original. Là. Non! Ben écoute, j'ai juste écouté la version américaine. Fait que ouais, je peux pas la comparer, tu comprends? Si tu dis que l'original est pas sa fille. Ah, ben là, c'est la marde, décolle. Non, mais pour ben le. C'est un gars, non, on va pas se crasser. Ouais, non, mais ça a juste à donner le même que j'écoute la version américaine. Là. Comme je t'ai arrivé de demander, mon père était dans le salon, il a parti le film, mais ça, c'est avec lui, c'est ça. Non, mais c'est sûr que l'histoire est bonne, puis si tu commences avec la version américaine, tu vas l'aimer. Ouais, ouais. Mais si t'as vu la première version, ben, c'est le genre de film que tu touches pas. Ça, il y a beaucoup de films que. Ben, il y a des films que tu peux toucher, que c'est un peu moins. Mais des fois, il y a pas des... l'améliorer. C'est comme si tu fais wishlist à écouter depuis un certain temps. Soit tu fais une adaptation pas mal exacte, ou soit tu fais rien, genre. C'est ça. Puis que ça sert de genre, soit l'empirer ou la. C'est comme, les covers de musique, là, tu sais. Combien de covers que vous allez, à part le long de Watch Hour ou des affaires de même, mais il y en a genre deux, trois qu'on peut nommer, là. Ben, il y a des bons covers de musique, là. Ouais, mais qui torche la version principale. Ben, Little Wing de Stevie Ray Vaughan, genre, est quand même. Ouais. Il chante pas, mais la version instrumentale, pour le vrai, c'est un délire. T'écoutes ça, man. As-tu déjà entendu Got to Get You Into My Life de Earth, Wind and Fire? Oh, tabarnak, oui, c'est. Tony Beatles, Got to Get You Into My Life. Non, j'ai jamais entendu. Moi, j'aime. J'imagine, c'est ma colle. Pour vrai, incroyable. C'est dégueulasse. La version de Earth, Wind and Fire est insane, man, pour eux. C'est la version Big Band, dans le fond, de cette tune-là. Puis genre avec des punchs réglés au quart de tour un peu partout, c'est cœur. Oh, mais les Beatles, c'est genre de... Tu sais, leurs tunes qui sont faites en cover, t'es comme, OK, la mélodie est tellement bonne. Mais sérieusement, tu verras comment ils l'ont arrangé. Il y a eu un gros travail là-dessus. C'est vraiment bon. Ben coréen, Beatles, refait par... Ah, puis il y avait les Real Big Fish aussi qui ont fait un cover de New York, New York. Tu sais, les autres font du ska. Ils ont décidé de mettre sur un autre album un cover a cappella de New York, New York. Fait que c'est juste comme 5-6 voix qui font... Pam. C'est vraiment genre une affaire. C'est comme Richard Cheese. Oui. Richard Cheese, j'adore cet homme. Ok, ce gars-là, tu connais Richard Cheese? Richard Cheese, là, faut que tu connaisses ça. Là. Le gars, il reprend comme tous les classiques, mais il est fait à la crooner style. Okay. Et tu sais, il va te faire comme genre I'm a creep, I'm a weirdo. Mais genre vraiment avec une bonne tune de genre. Puis même le vidéoclip, il est excellent. C'est comme genre juste comme. C'est comme un dude, genre bien en smoking, qui chante dans une foire pour enfants. Dans une fête foraine, genre, puis il regarde des enfants, I'm a creep. Mais tu sais, il essaie pas de l'améliorer, il essaie genre. Mais quand, faut que tu l'écoutes. Je trouve qu'un cover,
que tu le changes. Ouais, quand tu travaillais dessus. Ouais, que tu le modifies assez. Peut-être, toi. Ouais, il fait une version de Insane in the Membrane, mais une version flamenco. En fait, il prend des tunes, genre. Ouais, non, mais il change complètement. Puis c'est bon, les tunes, en plus. Mais ceux-là sont pas. Tu prends une soirée martini avec la tune pop retravaillée crooner, genre. Puis ces tunes, genre, en moyenne, une minute et demie, deux minutes. Fait qu'il comprend que c'est comme genre, gars, tu vas l'écouter pendant une minute et demie. Tu vas vivre que t'as avec ça. Il a pas fait de Bohemian Rhapsody, mettons. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il faut que ça clash, tu sais. C'est tout le temps ça. Genre en gris, il a fait People Equal Shit de Slipknot, mais genre en petit jazz, je trouve ça malade. Ouais. Il a fait une version jazz de Tune Down with the Sickness, puis il a joué dans le film de Dawn of the Dead, tu sais, de 2004, genre. Ouais, j'ai vu, mais. J'ai sûrement écouté, puis j'étais comme, c'est bon. Mais... Ouais, probablement que tu t'es même pas rendu compte que c'était Down with the Sickness dans la tune. Ouais. Surtout dans un film, c'est pas nécessairement la meilleure place pour. Ça dépend quel type ouais, de film. Ouais, c'est ça, c'est pareil. T'as des films que la musique est vraiment mise en avant-plan. Tu sais, les films de skate. Ouais. J'ai tout découvert la musique avec les films de skate. Ouais. Il y avait de la bonne musique. Ou les films de snowboard. Mais tu prends les jeux vidéo de skate. Ah, aussi. Absolument. T'sais, tu prends comme la toune à la fin de genre Fight Club, genre, tu sais, c'est Chris, j'ai Where's My Mind, là. Ouais, justement, tu sais, comme Veux pas, c'est vraiment mis en emploi. Puis en fait, j'ai découvert cette toune-là à cause de ce film-là, justement. Ah, aussi, je savais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film-là. J'ai pas remarqué la musique C'est quand tous les immeubles explosent, genre, à la fin, là. Ouais. Ou un film qui exploite bien ça, ben évidemment, c'est Let It Be, tu sais, le seul, non? Across the Universe? Ah, excuse-moi. C'est Yesterday. Yesterday. Ah oui, OK. Ouais, mais, mais c'est le principe du film. C'est vraiment comme intriqué dans l'histoire là, du film. Ouais, je trouve ça intéressant quand même. Je l'ai trouvé quand même. Je l'ai pas encore écouté, mais moi, il y a de l'air... sur papier, il y a de l'air bon en Christ. Ouais, sur papier. Mais il y a des petites... un peu trop de cheese à maner, mais ça ouais, se passe. Ouais. C'est sweet pareil. C'est un feel good. Ouais, mais c'est ça. Tu es dans une good movie, t'écoutes. Vous n'avez pas besoin de toujours être sérieux, la vie. Non. Puis c'est un Chris de bon réalisateur qui a fait la... Mais c'est pas son meilleur, évidemment. Là. Mais en tout cas, je réfléchis à ma phrase de tantôt. Les covers sont mauvais quand tu essaies de faire à peu près la même tune. Mais quand tu prends un bon angle, ça peut être bon. Ouais, c'est ça. C'est quand ça. J'y repense, ça dépend de l'angle. Mais ça dépend de l'angle, ouais. T'as beaucoup de gens, mais moi, j'avais pas tant trippé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trippé sur la version de Sound of Silence. De Disturb. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'aime vraiment mieux l'original, personnellement. C'est pas mauvais, mais j'aime tellement mieux. Pour être mal intentionné, je pense, pour dire que c'est de la merde. Je suis pas un fan de Disturb, je trouve ça qui est ten. Fait qu'on dirait que je partais déjà avec un peu de Blue Eyes de l'autre band. Puis le pire, c'est que j'aime les deux versions. La meilleure, c'est... J'aime mieux The Who. The Who, c'est la best. Mais c'était pas de la scrap, mais c'était pas... Mais tu sais, maintenant, si je compare avec la tune de Disturb, j'aime mieux celle-là. Genre. Okay. Mais... Ouais. Mais il avait fait Disturb, comment? C'était Genesis qui avait repris... Il avait pris une tune de Genesis, puis c'était pas mauvais. C'était correct. C'était... Okay. J'ai juste oublié le crise de tête. Ah, il fait tout le monde. J'ai trouvé. Oh yeah! J'ai entendu ça, là, mais. Mais en plus, c'est Genesis après Peter Gabriel. C'était une tune qui était quand même bonne. Là, genre I Can Dance. Je viens de penser à un. I Can Dance. Hey, malade, I Can Dance. Ça, puis Can You Feel the Love Tonight, d'Elton John. As-tu vu le clip de I Can Dance? Non. Il est bon. C'est sûr qu'il est bon. À un des meilleurs covers de tous les temps. C'est Hurts, qui a été repris par Johnny Cash, version originale. Ah, qui a pas demandé au gars avant de le faire. Il a pas demandé, non. Ça, pas. Ah, non, mais il pour pas le vrai, la version de Johnny Cash, pour de vrai, genre, est, comme, est meilleure que l'original. Ben oui. Je me rappelle, mais Johnny Cash connaît l'original. Mais Johnny Cash avait envoyé... Moi, je le connaissais, parce que j'ai écouté, c'est Nice Nails. Oui, mais je veux dire, probablement 95% des gens ont jamais entendu l'original, puis tu connais Hurts. Mais il se l'est tellement approprié, c'est comme... Les paroles fit tellement avec le vibe. Genre, tu sais, la première fois que j'ai écouté, piano, la première fois que j'ai minimalisé, je comprends rien, guys. Genre, tout le monde parle en même temps. Juste faire attention. C'est vrai. La première fois que j'ai écouté cette tune-là, c'est comme genre, je me revenais de l'école. Ça passait à genre Musique Plus à l'époque. Là. Je m'étais assis devant la télé, puis comme, genre, tu sais, j'avais des frissons là, tellement que je trouvais ça beau. Genre. Ah, c'est vraiment bon. Touchant, c'est vraiment le bon. Ouais. Mais Johnny Cash a envoyé une lettre d'excuse après. Ouais. C'était marqué Fuck you, I'm Johnny Cash.
Ça serait bon. I hurt myself today. Fuck you. Yeah, fuck you, Nine Inch Nails. You can fucking shove that up your ass. Vraie histoire-là, ou? Non. Non. Non, mais ça m'aurait surpris, honnêtement. Ça feels, ça feels. Ouais, mais Johnny Cash à 80 ans qui envoie chier. En plus, l'histoire, c'est qu'il avait comme fait ce tune-là à cause que c'est sa fille qui aimait vraiment gros la tune de Nine Inch Nails, puis qui a fait découvrir, puis comme il l'a repris. Ça fait du sens. Ah ouais, c'est vrai, wack en Chris. Bon, affaire. You too. On prend ça tout le monde. Nine Inch Nails, on s'en calisse-tu de Nine Inch Nails? Ben oui, on s'en calisse. On va pas payer personne d'abandonner que je suis un cowboy. On a steel horse I ride, bébé. Vous rappelez-vous de Puddle of Mud qui a fait About a Girl? Ouais. C'est pas si longtemps que ça, là. Ben oui, ben oui. Tu peux vous rappeler de ce cover? Hey man, je comprends pas. Qui a explosé. Je comprends pas pourquoi. C'est un band de new metal pas tant bon. OK. Mais genre, il a fait About a Girl, puis c'est devenu la risée d'Internet pendant une semaine, là. Genre, le gars, c'est cringe, là. Il l'a pas droppé. Genre, il aurait dû la dropper, mais c'est comme genre... I've been in... Il est pas capable de pogner la note. Fait qu'il force trop sa voix. Ouais, il essaie de roacher sa voix pour pas que ça paraisse, pour patcher, mais genre, le gars, il aurait dû dropper à tune. Mais il y a eu des views. Ben oui, oui. Ça a marché. Ben, mais non, ouais, mais ça a fait le tour. Flop, là. Non, ça a fait. Ça a été genre la risée d'Internet pendant genre une j'ai semaine. J'ai hâte de voir ça en Christ. Non, je te dis, c'est ridicule. Là. Genre, je comprends pas. Là. Tu vois même ces musiciens qui sont là, genre, qui broussent la tête. Ils payent. C'est correct. Pis c'est avec. C'est genre un SiriusXM. Une prestation sérieuse XM, là, genre, fait que c'est quand même de quoi qu'il y a beaucoup de monde qui vont regarder. À base, ouais. Arc. Attends, mais tu vas. Non, mais on va. On l'entendra pas avec le. Ouais. On va l'écouter après, là. Ok. Au pire, c'est la toune qui joue tout le long qu'on parle, pis y a pas de son. Ouais, mais... pas de casse, c'est ça. C'est parce que. Non, c'est que c'est surtout ses chorus. Parce que, genre, tu l'entends déjà que sa voix arroche. Ouais. Imagine quand il faut qu'il pousse le chorus au complet. Take me! Genre, c'est fort chiant comment c'est pas bon. Ah ouais, c'est qu'il y a déjà de la misère au début. Plus que ça va, plus sa voix à l'enfe, sa gorge à l'enfe. Fait que moi, il est capable. Je comprends pas pourquoi, genre. Hey, on dirait vrai. Nécessairement, il l'a jamais répété, il a fait n'est capable. C'est... Ben, c'est soit peut-être. Ça. Kurt Cobain, pas facile à cover oui, en nasty. C'est soit ça, soit il avait. Soit sa voix arrochait cette journée-là. Mais même à ça, genre. Tu sais, le gars qui filme peut faire, hey, on le refait un autre jour. Là. Ben là, c'est comme genre, hey, by the way, guys, genre, je me suis pratiqué dans le char, on la drop ou on la fait pas, là. Tu sais, genre, OP, tu peux la dropper d'un demi-ton, ouais. Tu peux la dropper. D'un ton, genre, ça se fait. Honnêtement, ça va être moins risible. Un tabarnak, style, droppé d'un demi-ton, mais que genre. Tu sais, c'est fucked up que personne n'ait dit que c'était comme, ok, celui-là, on la mettra pas, là, tu sais. Ouais. Que tu sois, ah, genre... mais c'est une prestation live. C'est pas si on. Ah, c'est. Ouais, c'est la radio, ok, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une prestation. Ah, SiriusXM, genre, quelque chose de même. Ils font une prestation live, fait que tu sais, c'est comme, c'est diffusé, là. C'est sur Internet. Il y a quelqu'un qui a vu ça qui a fait. J'ai quelque chose de viral droite là. Ah ouais, c'est devenu viral. Le pire, c'est que, genre, comme peut-être un mois ou deux après, celui qui a nailé le plus Kurt Cobain en cover, je trouve, il y a Post Malone qui a fait un live. Puis en plus, le drummer, c'était Travis Barker. Qui faisait Dave Grohl, basically. Quel tonne qu'ils ont fait? Un set plein de tunes de Nirvana. Ouais, puis ils prenaient des dons. Je pense que c'était pour une fondation, je pense. Le SIDA. Il y avait Magic Johnson. Ça serait un bon lien. C'est belle pour la cause. C'était un. Non, c'est pas vrai. Il était live sur une plateforme. Puis il prenait des dons, je pense que c'était pour une fondation. Moi, j'avais regardé un petit peu le show quand même, je trouvais ça malade. C'était bon, Chris. Ah, c'était bon en esti comme show. Ah, ouais. Pourquoi il l'a nailé en tabarnak Post Malone de Kurt Cobain? J'ai écouté ça tantôt. Mais c'est tough en plus. Comme le son de sa voix ou il l'a fait à sa façon? Il l'a fait à sa façon, puis c'était probablement la meilleure chose à faire. Mais c'était assez proche en même temps de l'approche de Kurt. C'était comme son thème. Grunge, pareil, quand même, c'est parce que la plupart du temps, le monde essaye d'emprunter le thème de voix de Kurt. Qui est tellement nice. Qui n'a pas la voix. Tu peux avoir l'approche de Kurt Cobain, mais tu peux pas avoir son thème de voix. Son cri désespéré quand il chante. Là. Parce que anyway, tu vas même plus dégager de quoi si tu le fais à ta manière. Là. J'ai l'impression que genre. C'est juste que ça se fait. Il y a une différence entre interpréter et comme imiter. Ouais, exact. Ouais, exact. Puis là, on va voir tantôt une très mauvaise imitation. c'est exactement ça que c'est. Le gars essaie vraiment d'imiter Kurt Cobain, mais il est à chier. On parlait tantôt de ça, mettons, de musique dans les films. Ce serait quoi, mettons, y a-t-il
une toune pour vous qui est associée à tout jamais à une scène, genre. Mettons une toune que, genre, le choix de musique pour une scène a tellement été parfait que, genre... Ouais. I'm singing in the rain. Oh shit, avec la quirk. ben, honnêtement, pour le vrai, comme, ouais, c'est, j'ai un peu c'est comme. C'est un bon des, choix, je trouve. Oh, j'ai des petites associations qui s'est faites avec ça, là. Ça a été un petit peu traumatisant la première fois que j'ai écouté ça quand j'étais jeune. C'est un très bon choix. Ouais, c'est. Moi, avec. J'en parlais ça m'a pris du temps avant comme de le séparer, là. À Star, comme je suis capable d'apprécier. Hey, ça m'a pris du temps à violer une femme. Je m'en dire, je m'en suis pas remis de suite. Mais je n'ai pas en plus avec Jean-Philippe, on a vu ce film-là. On avait genre 12 ans. Chez eux, je sais pas si c'était là, sûrement. Probablement. Moi, j'avais pas trippé. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait comme non. Fuck that, pourquoi je regarde ça? Ouais. Je me sens fucking mal depuis une demi-heure. Fuck that shit. Ouais, mais ça, on l'a pas fini. On a écouté le début, on a vu la scène de viol, puis on a fait genre tabarnak. Mais c'est tout est tendu, puis genre c'est quoi, dégueulasse. C'est tendu, c'est une ambiance vraiment spéciale. C'est joyeux en même temps d'être violent. Ouais. C'est comme le contraste. Parfaits, le contraste est vraiment beau et vraiment fort. Oh, ouais. J'ai l'impression de. Quand t'es jeune, tu comprends. En fait, c'est quand t'es jeune, tu comprends pas les subtilités et les nuances. Entre l'opposé de ces sentiments-là, ça crée un gros malaise, c'est ça, qui vient perturber. J'ai l'impression de goûter à un plat où est-ce que t'as calissé vraiment beaucoup de sucre puis vraiment beaucoup de sel, puis genre le balancement est dégueulasse, puis ça donne une espèce mais de... Mais plus tu vieillis, plus tu l'apprécies. Ouais. Ça serait quoi? Vite de même, je dirais I Wanna Be Your Dog des Stooges avec Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ah, ou avec Cruella. Ouais, c'est vrai. Je sais que c'est pas aussi marquant, mais pour vrai, cette scène-là, dans, je sais pas si vous avez vu Cruella. C'est le nouveau film avec Emma Stone. Il est bon quand même. Qui est malade. Est bon, ça se passe des années 60. Moi, c'est une décennie que, déjà que j'aime beaucoup. Puis le film est super bon. Mm-hmm. Le rythme de l'histoire est malade parce que ça prend du temps à s'installer. Mais il y a beaucoup de rythme, le film, quand même. Okay. Mais moi, j'ai adoré ça. Ouais, parce qu'il m'a donné... T'as comme une... Dans le fond, elle est comme designer de mode. Ouais. Puis là, elle travaille pour une compagnie. Puis finalement, elle décide de passer ses trucs elle-même. Puis c'est le bout, ça devient un peu punk, là. Que genre... C'est comme les autres, ils font comme une parade de mode. Puis c'est comme... Hey, venez là-bas! Puis là, il y a une autre parade de mode. Puis il y a ça. Puis ils mettent aussi à tout une Stone Cold Crazy de Queens, genre. C'est comme une... Man, je te montrerai, là, genre... C'est tellement rapide, t'es comme... C'est pas du Queens, c'est quoi, les affaires, là, genre... Ouais, c'est vraiment on dirait du Motley Crue, mais c'est Queens. Ah, ouais, mais ça sonne en tabarnak. Ouais, ouais. Mais le film a comme ça, une très bonne trame sonore. Okay. Ça se passe dans les années 60, puis c'est vraiment la genèse de Cruella. Mais ils l'ont pas fait cheap, ils l'ont vraiment fait comme... Qu'est-ce que ça a l'air, une adolescente dans les années 60 qui commence à go crazy, genre, puis à vivre ses rêves, puis tout ça, puis genre... C'est bien rendu, mais quand c'est même. Quand même un peu cartoony en même temps. Okay. Oh, ouais, mais pas à l'excès, c'est juste une touche de... Mais c'est bon pour vrai, puis il y a beaucoup de musique dans le film, genre... Juste Iggy Pop, c'est cool, hein? Ouais. Puis dans Lock, Stock and Two Smoking Barrels, comme je parlais, là, c'est comme... Il y a une scène, dans le fond, que le gars joue au poker, c'est comme du genre de poker à trois cartes, puis tout, puis genre, il joue contre un gars qui, finalement, l'autre gars triche, parce que, genre, il filme avec une caméra, puis là, il voit, puis donne des genres de coups à l'autre gars, puis dans le fond, c'est une... Ben, tu l'as vu, Lock, Stock and Two Smoking Barrels? Non, zéro. C'est un film de Guy Ritchie, genre... C'est lui qui a fait... Le film que tout le monde... Snatch, ouais. J'ai Rock'n'Roll, là. Mais je connais pas assez Guy Ritchie, okay. Mais je vais mettre ça dans mes notes. Ouais, bah c'est pas son meilleur, pour elle. OK. Mais il y a une scène... La scène est belle. Il y a une scène en particulier, genre, c'est comme juste lui, mettons, genre, qui... Il perd, mettons, puis là, c'est comme une scène un peu qui était un peu comme dans le premier Les Boys, là. Mettons, genre, le gars, il se met all-in, puis là, fait « Race de 50 000 $ », fait « Ouais, mais je suis all-in. » Ouais, mais c'est pas grave, au pire, je te passe l'argent, puis là, tu vas me devoir l'argent, puis là, comme, t'es OK, call. C'est comme, ça existe pas, là, au poker. Non. Au poker, si tu peux pas l'accoter, ben, genre, t'es all-in. Mais c'est le maximum que tu peux mettre, mais t'es all-in. Ça, c'est la mentalité de genre, le gars, il va mettre ses clés de char sur la table. C'est ça, c'est ça. Mais genre. C'est juste la lumière. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, dans le film, t'as le gars qui perd de l'argent, puis là, finalement, il doit du cash. Ouais. Puis là, finalement, il perd la main. Puis là, tu vois, c'est juste un plan, mettons, que tu vois, il y a une caméra qui est comme genre en avant de lui de même, puis qui est un peu comme dans Recon for a Dream, là, tu sais, quand ouais, il a fait. Ouais.
Tu une caméra devant lui, puis il joue dans un ring de boxe. Puis tu veux chier, mettons, le gars qui comme étourdi un peu, t'as la tune qui... Ah, c'est un poker trois cartes bizarre en plus qu'il joue. Puis tu veux chier, mettons, le gars qui tourne, puis là, puis il regarde, puis tout, puis tu vois, genre, qu'il file pas, puis il a l'air étourdi, puis la shot est vraiment belle pour vrai, ça fait fucking bien avec. Ouais, c'est genre un peu trash, là. Ouais. Le son des Stooges, là, c'est parfait pour ça. Puis le gars qui est comme déstabilisé, puis qui vient de se faire crush sa vie, là, genre, c'était. En tout cas, la scène est vraiment bonne. Ou juste la scène, je vais écouter. Non, mais... Ouais, mais et sur YouTube, je peux te montrer. J'essaie de réfléchir. C'est quoi ta scène? J'ai vraiment pas de... J'y pensais, là, tantôt, ouais. Puis j'ai fait comme... Ah, moi, j'en ai une autre. Il y a juste Forrest Gump qui me vient. Ah, Forrest Gump. Ouais, ah, moi aussi, j'en cherchais. Ouais, j'en cherchais. Forrest Gump, c'est tous les films, genre, avec comme CCR, puis... Ouais, mais puis c'est la trame sonore rendue là, qui est juste comme écœurante. C'est ça, tu sais, dans qui arrive en Vietnam avec... Ouais. Il y en a beaucoup de moments comme ça dans ce film-là, sweet, mais... Il est sûrement meilleur que ça dans, que je pourrais nommer. Mais non, moi aussi, le pire, mon focus s'est tourné vers Forrest Gump un peu instinctivement parce que tu te dis, ah, lui, dans ce film-là, c'est sûr qu'il y en a. La trame sonore est agréable et sweet. Ouais. C'était un bon film. Mais moi, sinon, il y avait un autre film aussi, c'était I Believe I Can Fly dans Space Jam. Je vois tout le temps la scène du début, ouais, R. Kelly, on n'en parle plus de lui, mais ça tourne pareil. Fucking bon, man. Quand j'étais jeune, puis genre, jouais au basket chez nous, on avait un panier, comme dans notre stationnement, puis comme genre, I believe I can fly. C'était genre juste. C'était inspirant, pour le reste. Il y a un côté marrant, le solide. C'était juste beau, là. C'est juste beau. Je pense que j'ai trouvé, moi, ça serait. La toune de Andrea Bocelli, là. On est partiro. C'est dans Step Brothers. Oui, c'est ton bon choix. Ça, ça serait mon choix. Ah, c'était un beau moment, Ouais. Mais j'ai une autre toune qui me venait en tête aussi. Je sais pas si t'avais vu House of Thousand Corpse, qui est comme le premier film de Rob Zombie. Je l'ai pas vu, mais je. Ça fait longtemps, je l'ai vu. Non, pas House of Thousand Corpse, que c'était dans son deuxième. Reject. Le premier, c'était House of Thousand Corpse, qui était un genre de massacre à tronçonneuse. Ouais. C'était genre littéralement massacre à tronçonneuse. C'est genre du monde qu'ils amènent chez eux, puis eux autres qui. Un vieux film d'horreur, genre. Ouais. Puis t'avais le deuxième qui était The Devil Reject, qui était comme trois personnes de cette gang-là qui étaient on the run, qui s'enfuyaient de la police. Puis t'as la dernière scène que, genre, c'est comme eux autres qui sont, tu sais, I guess, sont dans le sud des États-Unis ou au Nevada, je suis pas trop sûr. Ils sont comme dans un genre de désert, puis là, ils sont comme en haut d'une colline, puis l'autre bord, il y a des policiers, puis un barrage. Puis t'as la toune Freebird qui joue au complet. Oh, man! Oh, wow! C'est eux autres. J'ai pas vu celle-là, Freebird, là. C'est 8 minutes, la toune. Avec le solo de fin. Genre, c'est comme eux autres qui sont là, qui comme... s'admettent vaincus, puis quand le solo de guide part, c'est comme eux autres qui foncent vers la police avec leur gun pour tirer le gros... Freebird! Ouais, j'imagine ça. Cock rock. Mais c'est malade. Genre, tu sais, t'as comme vraiment comme le style long bout de comme eux autres qui sont comme qui acceptent un peu la mort finalement. Puis quand le solo passe, c'est comme alright, here we go. C'est fou quand même que ça soit simple. Puis t'as pas de longueur, même si ça dure 8 minutes. Genre, c'est bien monté. Faut que tu l'assumes à fond là, pour mettre la tune. C'est nice. Ouais. En fait, il tue tout le monde en 5 minutes. Puis après ça, c'est 3 minutes de shot de drone. Mais t'en as des. Tu sais, honnêtement, il y a des bouts de ce film-là qui look un peu comme Natural Born Killer, là, mais c'est pas. C'est moins bien fait que ce que Oliver Stone a fait. Mais c'est quand même bien pour moi, c'est un bon film. Par là, je pense que c'est. Oliver Stone qui a fait ce film-là, j'ai un blanc. Apocalypse Now. Ouais, je pense que c'est Oliver Stone. Ah, c'est quoi déjà la toune, ouais? The End. Il commence, c'est comme genre. Ah oui. Avec les battements d'hélicoptères. Le film commence comme ça, c'est intense, c'est tellement beau, c'est épique. Apocalypse Nord, c'est ça. Mais il y a aussi le moment d'hélicoptère avec la cavalerie, ça pour le vrai. Quand ils font juste comme crisser des bombes et du napalm partout, ces Vietcong, c'est insane. Ah, mais Oliver Stone, c'est une astuce malade pour elle. Surtout dans les années 90, qu'il faisait. Avez-vous vu, il y a Jeff qui me parlait de ça, j'allais écouter U-Turn. C'est un film avec Sean Penn, c'est pas Jennifer Lopez. Quel film t'as dit? J-Lo, Ah non, Puff Daddy. Ça s'appelle U-Turn, le film. C'est genre... C'était Kim... Attends, je vous dis. J'ai déjà vu, je pense. Pas la toune des colocs, là, s'il te plaît. non. Ah, tabarnak, ça chie, cette toune-là. Mais on l'aime, Mike. Ouais, c'est ça, c'est Jennifer Lopez, puis...
Puis t'as Kevin Spacey, puis t'as une couple d'autres acteurs. T'as Billy Bob Thornton. Genre, c'est comme, dans le fond, le film commence, c'est comme, c'est Sean Penn qui, genre, tu comprends qu'il doit de l'argent à la mafia ou je sais pas trop. Puis là, il est comme, il est en cavale, il essaie de le sauver, puis là, pogne une panne dans une ville. Puis là, c'est comme, genre, lui qui veut faire réparer son char, puis tout, puis il est comme en interaction avec du monde. Puis mettons, il arrive avec du monde, puis il arrive de quoi, puis il arrive avec une autre monde, puis il arrive de quoi. Puis... Okay. Mais genre, c'est Oliver Stone en 97. Fait que genre, tu sais, c'était à peu près le même type de réalisation que Natural Born Killer. Là. Mais par là-dessus, ça, c'était bon, Natural Born Killer, là. Ouais, c'était insane. Ça, c'est un des films que j'ai comme... Any Given Sunday, man, c'est bon, en tabarnak aussi. Non, je connais pas. C'est un autre film de... C'est un autre film de Oliver Stone. Ça prend le même type de réalisation. Oliver Stone dans ce tellement bon. Il est beau son pic là. Ah, pour vraiment, c'est insane. C'est quoi le nom du film que tu viens de dire? Je connais Any Given Sunday, c'est un film de football. C'est comme un film de football américain. Okay. Fait que c'est comme genre les, la... les lumières du Non, c'est Saturday Night Light. Ah, ok. Ouais. C'est ma référence de film de football. Oliver Stone. Any Given Sunday, c'est mon tabarnak. C'était avec Cuba Donnie Jr., je pense. Genre, c'est à peu près le même type de réalisation que Natural Born Killer, puis ce film-là. Fait que, c'est, mettons, jour de gros, mais... des petits plans avec des genres de jump cuts, puis plein Natural de Born Killer, un peu, puis de la drogue d'inclus, puis des affaires de même. Mais c'est vraiment bon. Nice. Oliver Stone, il y a un très long bat mince. Je sais pas si tu savais ça. Ouais. Comme l'animal, là. Oui, tu sais, l'animal qui mange des fourmis avec son espèce de trompe, là. Un quand il se met tout nu, on dirait ça. De la noire? Ça fait du sens. Ouais, j'étais un tamanoir, tamis, un tamanis. Le genre de tamis, tamanoir, c'est quoi déjà le nom? Un tama. Non, mais quand c'est pas. Mais oui, je pense que c'est. Ça commence. Un fourmilier. Je pense que c'est ça. Mais le. Fourmilier, c'est pas le nom de leur. De l'amphithéâtre des fourmis. L'amphithéâtre! De quoi il aurait pu dire comme la maison des fourmis? Non, l'amphithéâtre! Non, c'est la, c'est la section spectacle de leur fourmilière. Là. C'est là qu'ils vont voir les shows de fourmis. Oh, wow. Ça, oh, wow. On parle de scène puis d'or. Ben, ouais, vous ben, voyez ce que vous avez. Écoute, ça fait déjà une heure et demie. On pourrait finir là-dessus. Pense on finit là-dessus. Amphithéâtre de fourmis. Ben, oui. On peut pas taper ça. Ouais, ça, on finit là-dessus. Dave Simon veut aller écouter Tremendum. Ah, ben, Tremendum Music. Ah, je le dis en anglais. Là. Ben, Tremendum sur Spotify. Ouais, moi, je l'ai trouvé sur iTunes. J'ai adoré, by the way. C'est une petite belle découverte. Sincèrement, je trouve ça super bon ce que merci, vous faites. C'est gentil. Sincèrement. Sinon, Marc-Antoine, Simon, Industrielle Alliance. Ouais. Il manque de cash, Industrielle. Ouais, c'est ça, ça va bien, c'est ça. Fait que, ouais, tout à fait. Ah, mais peut-être qu'il y a mieux pas en parler. Je sais pas si c'est contextuel. Ok, ben, merci beaucoup.